bonjour, bonjour aux matinaux. Enfin, peut-être pas trop, il est 10h30 pour vous. Il faudra qu'il est que 9h30 chez moi. Comment ça va ce matin? Je suis encore en train de me réveiller pour pas changer, même si techniquement je suis debout depuis les nouveaux 6h du matin, mais il me faut 3h pour me réveiller, ça doit être ça. Alors, j'ai essayé un petit truc, vu que je suis passée sous OBS, hein, autant que ça serve. J'ai mis un petit plugin de sous-titres. Je suis en train de tester sur Twitch, normalement ça passe. Donc si à un moment donné il y a besoin de sous-titres, vous devriez avoir une petite icône CC maintenant qui apparaît sur le stream, là où il y a les paramètres et là où on peut faire les clips et tout ça. Donc si besoin est, on a cette option. Je vais juste devoir tester un petit peu pour voir, pour m'assurer qu'elle s'active à chaque fois et que je ne dois pas l'activer manuellement. Mais là, en tout cas, ça a l'air de passer. Il faudra juste que je pense à faire l'effort de parler à peu près de façon intelligible. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors du coup, c'est très rigolo parce que j'ai le retour dans OBS des sous-titres et c'est assez marrant à voir. Mais bon. Par contre, ce que je vais faire, je vais du coup minimiser Twitch. Parce que sinon, ça va me stresser d'avoir le retour OBS et le retour en décalage de Twitch en plus. Donc voilà, voilà. C'est bien OBS, du coup, ça me permet d'essayer plein de petits machins. Ou avant, avec Streamlabs, à chaque fois, je me disais, ah ben zut alors, c'est pas faisable, je peux rien faire. Coucou Azaïla, comment ça va? Hello, bon dimanche matin. J'espère qu'il fait beau chez vous. Ici, il fait... un peu entre les deux, il y a du soleil, puis il fait gris, puis il y a du soleil, puis il fait gris, et comme ça, rebelote tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, il va pleuvoir, mais pas de surprise ici. Hein. Ah, j'ai l'impression que j'ai pas fait du Hades depuis genre 2 mois. Alors que pourtant, la dernière partie, c'était mardi, c'était il y a que 5 jours. Hein, je sais même plus ce que je voulais prendre comme arme ou ce que j'avais prévu, donc on va, comme d'habitude, le redécouvrir pour pas changer. Et j'ai une magnifique tasse, je sais pas si on voit, parce que l'écriture dessus est verte, donc évidemment avec le fond vert ça va être filtré. C'est une photo du plus vieil ordinateur encore en état de marche qui s'appelle le Witch. Enfin, encore en état de marche, c'est-à-dire en 2018 il était encore en état de marche, depuis je ne sais pas. C'est même pas du transistor à ce stade, je crois que c'est encore des tubes sous vide ou des trucs comme ça. Et c'est très rigolo. Il est au musée des ordinateurs, celui qui est juste à côté de Bletchley Park. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller un jour, bon, après le Covid, évidemment. Bah, allez-y, quoi. Ah, ça va, ici gris, mais probablement venteux. J'aime bien le probablement, ça veut dire que t'as pas encore ouvert ta fenêtre. C'est comme moi, en fait. Il fait peut-être venteux, je ne sais pas. En tout cas, les arbres, ils ont pas encore commencé à fleurir. On est mi-mars et il n'y a pas encore de feuilles. Ah, c'est intéressant, ça. En même temps, ils avaient été élagués, donc c'est peut-être ça. Ils sont à moitié crevés, je sais pas. Je sais pas du tout. Je m'y connais pas bien en arbres, mis à part que c'est joli et que c'est bon pour la planète. Mais... ah, je sens que je vais débiter beaucoup de conneries ce matin. Je sais pas pourquoi. Juste une idée comme ça. Je vérifie que je sais pas non plus, j'ai l'impression que j'ai un retour du son, mais je crois qu'en fait c'est juste la musique qui est comme ça. Ouais. Je connais pas ce morceau, donc... Urgent Prayer, non, je connais pas. Ok, bon bah du coup, on va commencer tout doucement, j'imagine. Et je me tâte encore pour... j'ai pas encore décidé du programme de la semaine prochaine... Je pense que mardi, je vais faire du Hades. Chuba nous fera un rapport. Ah, il est dehors. Il est sorti. Il a bravé le potentiel vent. Eh ben, effectivement. J'avoue qu'ici, je suis en train de regarder par la fenêtre. C'est pour ça que je vous regarde pas, du coup. Mais ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait du vent. Ça a pas l'air agité, en tout cas, donc. Et j'ai pas vu de benne à ordures qui se promène, donc il doit pas y avoir beaucoup de vent s'il y en a. Je déconne pas, j'ai déjà vu ça à Édimbourg, des fois, les bennes à ordures quand elles étaient vides et que c'était assez venteux, elles se promenaient dans la rue. Et je me prenais le vent dans les chevilles et c'était, j'ai déjà failli me vautrer plusieurs fois comme ça, tellement le vent était fort. Bon, sachant que je suis pas particulièrement fine, mais vu que je suis pas grande, je suis pas très lourde non plus. Donc oui, voilà, en dessous de 60 kg, vous pouvez vous envoler avec le vent. C'est...
Il va chercher à manger. Ah, miam miam. Je viens de manger, pourtant rien que le mot manger me donne déjà faim. C'est terrible, je suis un ventre à pâte, mais quelle horreur. Je pourrais passer ma journée à bouffer en fait. Pas forcément beaucoup à la fois, mais très souvent. Enfin. Je vais tout doucement me mettre sur Hades, parce qu'en fait je sais pas combien de temps je vais live aujourd'hui. J'avais prévu peut-être 3 heures. Mais à voir. Je risque de me faire interrompre, pas encore sûr. Donc je vais essayer de faire ce que je peux, quand je le peux. Et du coup, je vais lancer Hades. Ah, j'ai refait un petit peu de Sea of Thieves hier en solo, pendant une petite heure. Finalement, ça allait. C'est manier le bateau tout seul, sur un sloop, ça va encore. Bon, alors évidemment, je freinais à l'arrache. Pour freiner, je jetais l'ancre. Hein, parce que j'arrive pas à baisser les voiles et à jeter l'ancre en même temps. Mais c'était fun. Donc je pense que j'en referai à l'occasion, même si techniquement, c'est peut-être mieux de le faire en groupe quand même pour le stream déjà. Et puis pour moi aussi. Alors, Hades, je disais. Je voulais lancer Hades. Ce serait bien que je dis pas. Eh, ma manette a l'air de fonctionner, c'est magique. C'est ma 129e tentative d'évasion. Waouh. Rien que ça. Ça me stresse le micro ici, mais en même temps ça me gêne moins. Comme ça je l'ai pas devant la manette. Même ma superbe manette. Toute pourrie. Où il y a la touche A qui commence à s'effacer. je suis en train de me dire, vous voyez pas le jeu là? Je me disais bien. Ah bah oui, il cherchait Sea of Thieves. Ça sera un peu problématique. Alors, Hades, viens là. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Donc maintenant, normalement, on devrait voir le jeu. Maintenant je me rappelle que je voulais choper le canon. Puisqu'il me semble que j'avais monté un petit peu... Ah bah il est au max. Ouais, j'ai le feu infernal au max. Ah, ça va être intéressant. Du coup, je me tâte. Qu'est-ce que je prends comme souvenir? Qu'est-ce qui est bien avec le canon? Sinon, je vais repartir sur du énième Athéna Déméter, ce qui est... Bon, c'est un combo gagnant, mais enfin bon. C'est quoi? Je vais regarder au niveau de cela. Qu'est-ce que je peux avoir en duo? Paratonnerre, humeur vengeresse. Bon, ça dépend du lancer. Ça peut se déclencher spontanément, c'est intéressant. Ça, c'est du Zeus Arès. Hein. Ouais. Zeus Artemis. Ah, pas mal, ouais. Merci. Zeus Artemis. Je sais qu'on. Maintenant, je me rappelle qu'on en avait effectivement parlé. Donc, Zeus Artemis. Je vais me retenir ça. Coucou Fantasy! Comment ça va? J'espère que t'as bien dormi, que tu passes une bonne journée. Enfin, il est que 10h30. Mais. 10h39. Je suis. Ouh, vous savez ce que ça veut dire? Température jusqu'à 10? Ça veut dire. Mesure d'urgence. On se le tente? Ouais, allez, on se le tente. Avec du Zeus Artemis pour changer un petit peu du Déméter Athéna. Et bien voilà, je vais découvrir Papa sous sa forme ultime. C'est quoi ça? Jette-moi encore une fois ton sang comme ça et je te jette dans le Styx pour que tu t'y noies. Je crois qu'il parle du sang de Titan. Je suis pas sûre. Bon, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Et ça va être rigolo. Alors, Zeus Artemis. Quoi, ça c'est de la belle phrase, Zeus. Ah ben, tir foudroyant, bah voilà, je pense que... J'ai jamais vu Hades en mesure d'urgence, bah tu sais quoi, moi non plus. Je suis même pas sûre d'être passée sur un stream où il était en mesure d'urgence. Ou alors, si j'étais sur un tel stream, je regardais pas le combat pour pas me spoiler. Mais bah on va tester ça et je vais prendre le tir foudroyant pour le coup. Et si je peux avoir supraconductivité, ce sera encore mieux.
Voilà, donc Zeus ici, j'ai hâte de te voir le découvrir, ouais. Pourquoi je sens le troll là? Enfin, pas le troll, mais le... ouais, si je tire pas à travers les murs, ce serait mieux. Ok, faut que je me réhabitue au jeu, hein, c'est vraiment marrant, 5 jours sans jouer. Je n'aurais qu'un seul conseil, surtout ne grid pas. Qu'est-ce que t'appelles grid? Arès, bon. En fait, je trouve quand tu vas me dire ce que c'est, je dirais ah ouais, c'est ça, mais... Je me rappelle comment jouer avec ce truc. Ah, ils sont là! Voilà. J'en dis... Ah, penser que c'est facile et gagner. D'accord, ok. Ok, ok. Oui, d'accord, ok, dans ce sens. Je vois. Je retiens, je vais retenir pendant 5 minutes et d'ici là j'aurai sans doute oublié, mais... Parce que c'est moi. Allez, Arès, on va lui faire un petit cadeau. Et... On va voir ce qu'il me file comme... Vous savez que ça fait un moment que j'ai pas lu les sections là de ce qu'il raconte sur les dieux. Je pense avoir compris. Ouais, en fait, faut juste pas être complaisant en se disant « Ah là là, ça a l'air facile, je vais le torcher les doigts dans le nez, quoi. » C'est... Ok. Bon, faut que je dise bonjour à Nyx. Sort de douleur, élan tranchant, soutien d'Arès. Alors, le soutien d'Arès avec le gun, je suis carrément pas convaincue. C'est ça, ouais, ok. Donc, je pense que le sort de douleur, ça pourrait être pas mal. Et vu qu'on est encore tôt dans la run... Je regarde juste ce que j'ai pas laissé du pognon et je pense qu'on va tenter Ereb. J'ai le nez qui me pique. Je suis en train de me dire, alors pour une fois j'ai pas mis de poudre sur le visage. Et j'ai l'air tout autant d'avampire qu'avant, donc en fait non, je crois que c'est juste ma gueule quoi. Ah non. Il y a des chars. Faut vraiment que je fasse attention. Voilà, désolé, je vais essayer de me concentrer un peu. Mais ouais, t'en dis pas plus pour pas spoiler, je comprends. Je comprends. J'ai entendu un bruit bizarre. Non ? Yes. Papa, il est pas content. Bon, du coup, j'ai raté un cœur de centaure, mais c'est pas grave, car je peux prendre le tir foudroyant. Merci. Mais c'est marrant comme quoi au gun, ça va encore. Et ça dépend vraiment des armes. En fait, j'ai l'impression que je suis pas très bonne à ce truc, mais pour le corps à corps. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre des petites gemmes. C'est dommage pour le cœur de centaure, mais... C'est pas grave. Ouh! Oui, non, c'est vrai que là, j'ai pas besoin de... J'irai pas jusqu'à dire que c'est pas la peine d'éviter les dommages, mais bon. En fait, pourquoi je balance des bombes ici? Je devrais les balancer là. Viens là! Viens là, toi! Ah, zut! Mon timing était naze. Ils visent quand même les ennemis en priorité plutôt que les bombes, j'ai l'impression. Par contre, ouais, elle douille bien. Ah ouais, effectivement. Ok, c'était joli. C'était très joli. Non, il n'y a rien qui m'intéresse pour l'instant, donc on va continuer.
Une clé ou des obsidiennes. On va prendre des obsidiennes parce que j'en ai plus des masses. Et on va voir ce qui m'attend. Ah. Ah ouais, pas mal. Quand, au niveau maximal, ça change. Hein. Ça change, effectivement. Voilà. Ouh, boum, boum, boum. Moi qui croyais l'avoir esquivé, mais en fait, non. L'élan est plus efficace pour déclencher les bombes à coup sûr. Ouais. Ben, je sais que le tir, ça marche, mais forcément, faut... Comme il... Je crois qu'il va automatiquement viser les ennemis d'abord. Donc ouais, du coup, c'est pas forcément terrible. Il y a une bombe sous le machin, là-bas, sous... J'appelle ça... Je sais pas comment ça s'appelle, le piédestal, le banc. Bon. Mais comme j'ai rien sur l'élan, c'est un peu dommage. Mais qu'à cela ne tienne. Ah, j'ai pas essayé s'il y avait avec le lancer, ça marche par contre. Ouais, il faudrait peut-être que j'ai quelque chose sur l'élan, non? Pour que ça vaille la peine. Ouf! Joli. Joli, joli le canon. Je comprends maintenant pourquoi tu l'aimes bien. Sous cet aspect. Nice. Je comprends. Ouh! Ah bah Artemis, la voilà justement. Ouais. Comment ça s'appelle? Modilite? Je suis pas arrivée à lire. Ouh! Ne pas rester là. C'était pas le bon endroit. Ah non, j'ai plus de... J'ai plus d'hémolite. Mouais! Mouais! Et encore, il me semble que tu n'as pas fait un run full explosion avec ce gun. Là, ça déménage. Un run full explosion. Désolé du retard, j'étais en cours. C'est pas grave, Tchoubalf. C'est pas grave du tout. Ben, bonjour à toi. Avant que j'oublie, j'avais une question. Ton compte Tchoubastat, tu l'as encore? Je veux dire, là, Tchoubalf, c'est un autre compte, c'est ça? Il me semble, mais du coup, j'ai pas vérifié, donc... On lui file un truc à elle aussi. Oui, Tchoubastat, c'est moi. Ouais, en fait, c'est juste pour savoir si c'est deux comptes différents. Si tu utilises encore Tchoubastat ou pas. Et si tu ne l'utilises pas, est-ce que tu veux que je te recrédite tes, pas les points de chaîne, mais les points de fidélité sur Tchoubalf. En fait, c'est ça. Parce que j'ai regardé les points de fidélité Stream Elements, par exemple. T'en avais très... il me semble que t'en avais un certain nombre déjà. Parce que j'ai activé ça il y a un moment. Donc c'est histoire... Si tu n'utilises plus l'autre compte, à ce moment-là, je te mets tout sur Tchoubalf. Alors pour l'instant, les Stream Elements ne sont pas plus utiles que ça. Mais c'est si je fais des giveaways, j'utiliserai ça. Ok, d'accord, tu n'utilises plus Tchoubastat. D'accord, d'accord. Bah je ferai ça après le stream. Comme ça... Enfin, peut-être pas immédiatement, là, après, à midi, mais... Oh pff. Ah oui, c'est vrai, je lui ai filé du nectar. J'ai déjà oublié ce que j'ai fait il y a 30 secondes. Ah ben, magnifique. Parce qu'en vrai, tous les soutiens qui sont corps à corps, genre Poséidon, Arès et même Zeus, bizarrement, avec le gun, j'ai moins envie. Comme je sais pas combien j'ai de points, je porterai pas de réclamation. Moi, je peux les voir. Je peux les voir quand je me connecte sur mon compte avec les bots. Donc c'est pas un souci. Je sais pas combien t'as, mais je pense que t'avais pas juste 500 points non plus, donc ce serait un petit peu dommage, quoi. Ouh! Ok, d'accord. Je pense voir à peu près le principe sur... Non! Il m'a coincé. Il m'a coincé. Le vilain. Faut que je pense à utiliser le lancer de Zeus un petit peu plus souvent. Mais...
Moi, je me fais avoir bêtement, alors que pourtant, je savais qu'il fallait pas que je me fasse avoir. Mais... Et quoi là-dedans? Restaurer jusqu'à 150? Ah, peut-être faire ça, tiens. On va peut-être tenter le coup sur le trésor. Tant qu'on y est. Ouais, enfin, si j'arrêtais de me faire toucher, ça serait mieux quand même. That's quite enough. Ah, ok. J'ai réussi. Ah, 117 quand même. And my keep. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueu. C'est vrai que les trésors, je ne les fais absolument jamais et je devrais m'y intéresser un peu. En même temps, je galérais pendant tellement longtemps avec le jeu que... Ah, oui. Il me reste des nectars. Super. Bénédiction de Pierrot. Puis je vais lui parler aussi. En fait, faudrait faire un petit mème. Imaginez la conversation avec Pierrot. Non. C'est cœur de pierre, dégâts de technique plus 3%. Ok. Pourquoi pas. Sisyphe, en vrai, il va me filer du pognon. Ah ouais, bon. Voilà. Ah bah voilà le cœur. Petit cœur de centaure, parce que 115 points... Hein. Faut pas dire que c'est un peu pourri, mais... La la la. Ah non, c'était un petit peu trop loin. Ah. Un petit dégalite. En vrai, je suis pas douée pour esquiver, hein. Easy. Comment ça, easy? J'ai vraiment l'impression que j'ai pas joué depuis 3 semaines. Je sais pas pourquoi. Je trouve on perd très vite l'habitude sur ce genre de jeu quand même. Ah, bonsoir SCP Mystery. Comment que ça va? Passe un bon dimanche, hein. Alors j'essaye de pas me faire toucher. Hein, ça pourrait être cool. Boum boum boum. Ouais, ça va aussi, c'est cool. Il fait un petit peu beau, là, il y a 3 rayons de soleil. Donc je les regarde par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est pitoyable quand même. Réduire regarder le soleil par la fenêtre. À défaut de sortir. En vrai, je sais pas pour vous, mais... Moi j'ai de moins en moins envie de sortir, en fait. Ou est-ce que c'est que j'ai trop pris l'habitude d'être à la maison tout le temps, je sais pas. Mais... Bon, ça rend les choses un peu plus vivables, on va dire. C'est toujours mieux que de déprimer. Non! Ouf! J'ai cru qu'il allait me toucher. Mais je pense que c'est le dernier, là. Ah non, même pas. Ah, voilà. J'évite qu'il me chope, voilà. C'est surtout sortir pour quoi faire, ben c'est ça en fait. Ouais. Même juste aller me balader, c'est un peu... Ouais, toi t'es confiné le week-end, donc pour les sorties... Voilà, c'est ça, mais le truc en fait, c'est que autant... Pardon. Autant les premiers mois, ça me manquait. L'an dernier, par exemple, à avril-mai, c'était... Ah ouais, il y en a marre, on est enfermé. Autant maintenant, après l'hiver, je suis là, je fais... Ouais... Bon, bah oui, je suis chez moi, j'ai pris l'habitude de faire du stream, des jeux, de faire tout à la maison. Et au final, ouais, sortir, ouais, voilà. Aller me balader, pourquoi faire, effectivement. Je vais juste voir ce qu'il a à vendre au lit, parce que je pense qu'après, il y a les boss. Est-ce qu'il y a du pognon ici? Non. Petit sandwich. Puis on va prendre ça. Oh! Oh! Ça, je veux bien.
C'est l'hiver, donc ça aide pas. Ouais, il commence à faire un petit peu meilleur, mais ouais, c'est vrai que... je voulais juste voir, l'avant d'y aller, c'était quoi? J'ai du Zeus Artemis, je veux voir si j'ai droit à quelque chose. Tir de phalange. Ah non, je l'ai pas celui-là, je suis bête. Tir foudroyant. Il est où Zeus Artemis? Ah, c'est celui-là, paratonnerre. Ouais, celui-là, il est possible que je le chope. Après, moi, j'aime pas sortir. Ouais, moi, je sais pas, j'aime... C'est pas que j'aime pas sortir, mais c'est que, en fait, voilà, comme j'avais plus accès aux trucs que je faisais en sortant, j'ai remplacé ça par d'autres choses, et ces autres choses, ben, je les aime bien, donc... Ouais, on va pas changer les bonnes vieilles habitudes, Meg. Alors, c'est qui, c'est Meg et Tisiphone? Ouais. Allez, pas de pitié avec moi, Meg. Pas de pitié. Ah! J'avais oublié ça. Ça aussi. Je crois que j'ai tiré de travers pour pas changer. Ah ouais. Alors, je ne sais pas viser. Toi, tu vas tirer. Allez, viens là, Meg. Voilà. Fais exploser ma petite bonbombe. J'aime beaucoup cette musique. Ah oui, là, par contre, j'ai l'élan, effectivement. Je sais pas lequel des points tout Tisiphone était le pire là-dessus. Allez, viens là. Ouh. Non, ça va, j'ai évité. Elle m'a pas encore balancé ses frappes. La petite Meg. Pas ses frappes, c'est... Ah, ces espèces de rayons roses. Regardez là. Ouais, Tisiphone, merci de faire exploser la bombe. Elle est où ma bombe? J'en ai balancé... Ah, elle est là. Ah bah voilà! C'était ça que je me demandais quand c'est qu'elle allait le faire péter. Non! Ah! Ah la loose! Où est-ce que je suis allée me coincer, moi? Sortie pour aller voir les murs de la ville et le magasin fermé, c'est pas intéressant. On est bien d'accord. Bon, j'essaie de rattraper le chat en même temps. Voilà. Soutien Zandaru. M'organiser pour être efficace dans la préparation du brunch. Eh bien, écoute, il n'y a pas de souci. Bon brunch. Vous m'en garderez un morceau? Ça me servira de repas. Oh non, mais... Je sais plus ce que je disais. Ouais, que... À la base, c'est pas que j'aime pas sortir. Mais ouais. Là, maintenant, j'aime bien streamer aussi. Le dimanche matin, avant, je faisais des promenades. Mais là, maintenant... Bah, j'ai le stream. Est-ce que j'ai envie de le laisser tomber? Bah, non. Et quoi là-dedans? Ouais, on va peut-être pas prendre ça. Ah, est-ce que je garde Zeus? Non, je vais quand même prendre Artemis parce que celui-là, je crois que je l'ai jamais, j'ai jamais augmenté. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer par Artemis plutôt que Zeus. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on sera obligé de garder un morceau, j'ai prévu trop de trucs, je pense. C'était toujours comme ça. Mais bon, si ça se garde au frigo... C'est cool. Vous êtes pas embêtés. Ah, en vrai, je peux essayer ça maintenant que je suis à 10. Ah, mais il y a un marteau. Ah, je prends le marteau peut-être. Hein. Quand même. Ouais, allez. C'est pas que je veux pas Hermès, mais marteau. Poum poum. Oula, c'est quoi ce...
C'est quoi ce petit coin isolé là, peinard hein? Viens là. Voilà. Ah, reviens. Ah. Les hydrons. Bah, on va les poutrer à coups d'aidant. Je pense que ça ira plus vite. Hein. Ah. Bâtard. Regardez-moi ce bâtard. Rayon triple, brasier infernal. Ah. Ah. Bah, brasier infernal, hein, forcément, parce que le réacteur perpétuel, c'est sympa, mais... Ça va, quoi. Ici, on a quoi? Non, j'ai pas envie de balancer un truc. Ah, Eurydice, on va prendre Eurydice. Je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Non, ça va. J'ai envie de refaire une run à l'épée aussi, après. Peut-être, ouais. Allez, Eurydice. Faut que j'apprenne à la chanter celle-là. Ah, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai combien de bienfaits? J'en ai quand même 4. Hein. C'est bon, t'as ton plan de bataille, Chubalf. Ah. Je vais quand même prendre les délices. Here, enjoy. Ah bah voilà, le soutien qui passe à la qualité supérieure. Il est où lui? Soutien épique. C'était un bon choix. Enfin, pour moi c'était un bon choix. Pas de jarre, hein, y a pas... Ah. J'ai fait quoi là? Je crois que j'ai essayé de retraverser le mur mais c'était pas faisable. Bref! J'ai mis le pied dans la lave, ça me surprend que ça m'a mis autant de temps quand même. Ah. Voilà, lui dans la lave, ça me va très bien. Zut. Ça touche? Ouais, ça touche. Wow. J'avais oublié qu'avec les lances, je pouvais... renvoyer un peu... Oh, le cirque! Ah, ce qui me fait penser l'autre fois, mais les redeems, là, de points de fidélité, ça avait pas marché, je crois, hein. Parce que je crois que Fantasy avait essayé d'en lancer un. Ah bah écoute, pas de soucis SCP Mystery, donc bonne journée à toi, merci d'être passé. Et puis bah bon appétit parce que vu l'heure... Non il est que 11h pour vous. Bah quand même, bon appétit pour tout à l'heure. Est-ce que je prends un peu de trucs? Bon allez. C'est quoi Athéna, Artemis? On va rechercher du Artemis. Ah, ah ouais tiens, j'ai vu, j'y ai pas encore parlé. Quelqu'un qui a suivi là, je crois hier, c'était Chouette. Qui doit être dans un des Discords parce que le nom me dit quelque chose. Faudra que je pense à passer pour rencontrer cette personne. Non! Voilà. C'est que je voulais mes obsidiennes, moi. Ah oui, je crois que j'ai une aire d'effet un peu plus grande hein, pour le la bombe. Un truc comme ça. Je sais plus. J'ai déjà oublié. Eux, il faut que je les bute. Hein. Voilà. Wow. Ça commence à bien douiller, hein. Bon, on va essayer d'éviter ça. Allez. J'ai l'impression qu'il y en a encore un autre. Ah non. Chouette est sur le Discord de Crystal, elle n'utilise jamais le micro mais passe en vocal souvent et communique par écrit. Ouais, voilà, voilà. C'est ce que j'avais vu, la communication par écrit, et j'ai vu qu'il y avait une chaîne pour Chouette en fait. Mais je suis pas encore passée dans le vocal quand elle était là quoi.
donc il faudra que je le fasse. Alors, marque du chasseur, perce-cuir... Ah ouais, d'accord, je veux bien celui-là. Il peut être pas mal. Faut-il que je fasse des dégâts critiques, mais bon. C'est vrai qu'Artemis, c'est bien sur tout ce qui est critique, ce genre de choses. Ah, pourquoi j'ai cette impression de pas avoir joué depuis des plombes, c'est horrible. On va pas dire que je redécouvre le jeu, mais pas loin. Si j'avais su, j'aurais pas dépensé du pognon pour me soigner avant, mais c'est pas grave. Vaut mieux ça que l'inverse, que mourir bêtement. Alors... Ouh, ça sent le cône de chantier. Voilà. C'est ça, c'est des cibles. Ah non, j'ai pas réussi à le buter en une fois. Ah! J'ai essayé de le faire atterrir dans la lave, mais ça a pas marché. Hélas. Je commence à bien aimer le lancer le Zeus, mine de rien. Voilà, va t'occuper de tes cousines, Doussa, merci. Ça, ce sera bien utile. Oh, elle est trop mignonne. Il y a encore des gorgones qui traînent, ouais. Voilà. Merci, Doussa. Oui, je sais, c'est un petit peu naze de l'appeler sur un terrain comme ça, mais... Franchement, les gorgones me saoulent. Quand il y en a une, ça va encore. Quand il y en a quatre... Knock, 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 on the heaven's door. Bah non, c'est en enfer. Eh oui. Bonjour, Blood Monday. Blood Moon Day, pardon. Comment ça va? Donc je me remets à Hades parce que je n'en ai pas fait vendredi, donc je suis toute rouillée depuis mardi. Bah moi ça va, c'est mon petit stream du dimanche, c'est ce pépouce, c'est tranquille, j'aime bien. Je fais quoi? Je vais chez Caron? Ouais, je vais chez Caron, allez. Je sais pas si je vais acheter quelque chose, mais... Ah, j'ai pas fait gaffe s'il y avait des poissons, j'ai pas l'impression d'en avoir vu, mais... qu'est-ce qu'il a à me vendre? Des clés, des tranches, on va peut-être prendre une petite tranche. Je vais pas tenir longtemps, j'ai oublié de dormir. Ah mince, ah t'as fait nuit blanche carrément? Ok, ok. Je vais juste regarder si je peux avoir un duo ici. J'espère au moins que c'était une nuit blanche pour une bonne raison, genre un truc amusant et pas insomnie, t'arrives pas à dormir. Ah, t'as fait une sieste 14h-22h, ok, ouais, donc effectivement pour dormir la nuit c'était un petit peu pas réussi, je veux bien croire. Je veux bien croire. J'ai pas eu beaucoup de duos, ça se voit que je prends pas Arès très souvent. Hein. Regarde juste s'il y a un truc qui vaille la peine ici. Mouef. Sur un d'autre là, sort de vengeance, vengeance céleste, vague de désespoir. Mouais. Je sais pas, j'ai juste prendre ça. Bon ben... On va aller se friter l'hydre. On sent que j'ai hâte d'arriver à la fin du jeu, là, pour... Enfin, à la fin de la run. Pour voir ce qui m'attend. Avec les mesures d'urgence. Mais en vrai, ça fait du bien de pas avoir les mesures d'urgence, surtout, quand même. Bah alors, fais pas boum. Voilà, faut faire boum quand je te le dis. Ah merde, elle a encore mes lancers, elle. Bon, en vrai, ça va, c'est pas catastrophique. Voilà. Et je suis bien contente d'avoir l'élan d'Athéna, mine de rien. Ah, je suis un peu loin. Mais qu'à cela ne tienne. Ah! Ah, il m'en manque un. Voilà. Il est allé se planquer au fond de la lave, là-bas. Comment ça, tu peux pas? Ah oui, c'est parce qu'elle les a tous bouffés. La méchante. Oh
prends-moi ça. Elle a mis son bouclier? Ouais, elle a mis son bouclier. Yeah, j'aime bien cet aspect, effectivement. Au maximum, il vaut bien la peine. En vrai, je sais pas où sont passées mes hémolites. Elles sont... Ah bah, elles sont là. Un petit coup là. Ah zut. J'ai encore visé comme de la merde pour pas changer. Ah, mais oui, j'ai l'appel qui est chargé, c'est bien ça. Allez. 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 Yes. Ah, donc qu'est-ce qui t'arrive? Soucis d'estomac. Donc des nuits de foie de 22h à 2h du matin, alors j'avais du rattrapage. Ah ouais, effectivement, ouais, ouais, j'espère que c'est pas des trucs graves ou que c'est soignable, enfin... Parce que bon, sur le long terme, c'est pas idéal non plus, quoi. On croise les doigts pour ça. C'est jamais cool, les soucis de santé, de toute façon, on est bien d'accord. J'ai l'impression que j'ai une trace sur la joue, mais en fait, c'est juste l'ombre du micro. C'est une hernie estomacale. C'est quoi, ça? J'avoue, je suis pas sûre de ce que c'est. Je connais les hernies discales. Mais là, c'est pas trop la même chose. Quand l'estomac repasse par le côté de l'œsophage. Ah ouais, c'est une espèce, pas de nœud, mais... Ah. Genre les organes qui se rentrent les uns dans les autres, quoi. Et ça, c'est opérable ou guérissable? Enfin, j'imagine, à part une opération, je vois pas trop. Ah, ça a pas l'air cool, en tout cas, hein, c'est clair. Let's slay some c'est... heroes, then. C'est glauque, cette musique. Faut une lobotomie sans cerveau, tu sens rien. Oui, ça se tient. Ça se tient, mais c'est peut-être pas génial sur le long terme non plus. Je sais pas. Je me suis pris... Ah merde, je me suis pris ces tirs. Next. Ok. On a des chars. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que je me prends tous les trucs, moi? Je sais pas esquiver, c'est horrible. En vrai, l'élan d'Athéna, il est cool. J'ai perdu la moitié de ma vie sur ce fight. Ah, c'est nul. Qu'est-ce qu'on a encore de beau ici? Rien. On va aller prendre tes obsidiennes. J'aurais peut-être récupéré plus de clés quand même. Histoire de choper des nectars par la suite. Ah non, il s'est régénéré lui. Et moi je saute en plein dedans, là où ça explose, hein, évidemment. Voilà. Je vois le docteur avec le nombre de malades au mètre carré coronavirusé, j'évite tant que je peux le visiter dans les zones à risque. Ouais, bah oui, forcément. Ça, c'est vraiment le truc pourri, ça aussi, là, le nombre de gens qui ont d'autres soucis de santé, qui du coup s'aggravent parce que, bah, forcément, il n'y a pas moyen d'avoir des soins, ou du moins, c'est à risque. Moi, j'ai une copine où son frère, avant le Covid, il a été diagnostiqué avec un cancer. Et le truc, c'est que, ben, pour aller à l'hôpital alors qu'il est immunodéprimé avec tout ça, et il faut qu'il prenne le métro, enfin bon, c'est la merde, quoi. Puis l'hôpital, ils peuvent pas te fournir une ambulance... 45 piges, j'approche de la zone 50 et plus, pas de top ou le corona. Ah ouais. Ah du coup, t'auras peut-être le vaccin avant, par contre. Azela, je vais faire quoi avec les clés? Juste pour les échanger contre du nectar, en fait.
histoire de pas me retrouver coincée, toi d'avoir toujours une dizaine de clés, mais en vrai je dois en avoir assez. J'en ai combien? J'en ai 18, ouais, ça va. Je pense en avoir moins. Coucou Elfie89, bien le bonjour, je te découvre grâce à Streamer Club. Ah bah écoute, c'est cool, bah bienvenue ici. Donc hésite pas à te poser. Vu l'heure, c'est peut-être un petit peu tôt pour le repas de midi, mais si t'as pas pris ton petit déj ou ton brunch, bah vas-y, c'est le brunch Hades du dimanche matin. Et que j'attrape juste du coup le chat. Le seul truc qui peut essayer d'être fait, qui aura peut-être aucune conséquence, essayer de manger tôt le soir pour que la digestion se fasse avant en partie de dormir. Si tu vois un spécialiste, le nombre de covidés sera limité normalement. Ah ouais. Ouais, ça, je sais pas du tout comment ça se fait en France. Ici, c'est que les gens, ils sortent pas, puis voilà, ils attendent. Consultation en visio, je suppose que ton médecin doit connaître la situation. Ouais. Allez, les trucs en visio, c'est pas forcément... Enfin, moi, je trouve que c'est pas terrible, mais bon. Ils expédient, en fait, encore plus qu'avant. Donc. Je viens de boire mon café, c'est bon. Ah, bah, tant mieux. Moi, j'ai pas de café, mais j'ai encore mon petit chocolat chaud. Enfin, ce qu'il en reste. Mon chocolat tiède, plutôt. J'étais jamais malade, donc mon docteur est parti en retraite, donc faut que je reprenne un doc. Parti en retraite, il y a 8 mois. Ah ouais. Moi, le médecin que j'avais, là où j'étais en France avant, le gars, mais il avait genre 80 ans, et il prenait pas sa retraite parce que, ben... il y avait personne pour remplacer. Donc il essayait de tirer, mais cette fois, il était tout vieux, tout ridé, il avait les mains qui tremblaient. Enfin, je me disais, mince. Je voulais prendre quoi, moi, l'hydracola? Je prends du Hermès ou je prends du Caron? Tu seras allé chez Caron? Peut-être des sandwichs. Ah ouais, ça c'est le truc vraiment embêtant, quoi. I'll take it. Artemis? On va rechercher Artemis. Zagreus. Ouh! J'ai bien fait, c'est un petit duo. Retourne batifoler avec tes nymphes. Paratonnerre, bah écoutez, on va prendre ça. Hein. Voilà. Donc alors, ouais, Elfic, je sais pas, est-ce que tu connais Hades? Est-ce que t'as déjà vu jouer ou tu découvres le jeu, du coup, par le biais de ce stream? Essayez ça. Si aux Pays-Bas, les médecins minimisent au maximum les consultations, même avant Covid, si c'est juste pour un renouvellement d'ordonnance, tu appelles et deux jours après, ton médoc t'attend à la pharmacie. Ok. Alors, tu découvres. Alors, ben du coup, moi, comme je suis un peu avancée dans le jeu, ça va être un peu spoiler. On va dire qu'il y a deux moitiés du jeu. Je suis dans la deuxième moitié, donc j'ai déjà fait la première fin. Et en fait, ben le bonhomme que tu joues là, c'est Zagreus, donc le fils de Hadès. Hein. Et qui, à l'origine, cherche à s'échapper des enfers. Pour rejoindre ses cousins, oncles et tantes et découvrir sa famille sur le monde de l'Olympe. Puis au final, ben, je cherche pas tant à m'échapper qu'à faire pote avec eux pour refaire les relations diplomatiques entre les enfers et l'Olympe. Quoi. Ouais, on est sur Twitch pour se détendre et s'amuser, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas si je prends Zeus pour commencer. Donc là, je vais... Ah bah, super conductivité, c'est cool. Je vais pas mourir, la charogne, ça crève pas. Ouais, on est trop chiant pour mourir. Ah. Donc du coup, Arès, il a le seum parce que je lui ai préféré Zeus. Donc maintenant, il va m'attaquer. Le vilain. Je sais plus du tout ce qu'il fait, lui. Mais je sens qu'on va... Ah ouais, si, il y a des trucs de visée. Ok, ben, on va y aller au lancer puis aux bombes. Pas de surprise. Non, non, vous réarmez pas, merci. Voilà. J'allais dire il en manque. Bon, celles qui lancent des boules de feu, ça me dérange moins là-dessus, parce que comme de toute façon, je vais forcément devoir esquiver tout le temps. Ah! Est-ce que je l'ai eu? Ouais, je l'ai eu, super. Je pense que ça doit être le dernier là. J'espère. Yes. Ouh. Oui, Elfic, Naofeuille est assez avancé dans le jeu, donc ça peut te spoiler beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc
Si tu t'en fous des spoilers, c'est pas grave, mais il peut y en avoir, notamment au niveau du scénario, quoi. Passer ses lettres partout à la vacances avec Elvis et Michael Jackson. Oh bah merci pour le follow, Elfic, c'est gentil. C'est gentil, merci. Je fais un petit bisou. Ça fait peur quand je fais un bisou, faut que j'arrête de faire ça en fait, c'est pas trop mon style. Donc je suis très contente, mais je vais pas vous faire des poutous. J'ai survécu à sa pulsion meurtrière. Yes. Rage du combat, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, go. Un bisou. Non, mais je sais, il y a des streamers qui le font, enfin, surtout des streameuses qui le font, mais moi j'ai l'impression quand je le fais, ça. Ça fait bizarre, hein. Je sais pas. C'est pas mon genre. C'est plus stage qu'autre chose. Où est-ce que je vise, moi? Ah, pardon, oui, j'oubliais, je ne visais pas. C'est plus simple en fait de pas viser, d'attendre que ça tombe tout seul. C'est moi ou il bourre bien l'élan? Ah oui, bah je crois qu'il était monté en qualité en fait. Ça devait être ça. Viens là. Ah! J'arrête de me faire écraser par les chars à chaque fois. Ça fait un petit peu mal. Ok, donc en fait, l'élan, quand il me fonce dessus, ça ne sert à rien. Je sais pas pourquoi je continue d'essayer de faire ça. Le corona s'est ennuyé avec les nouvelles mesures de confinement. J'ai dû confiner mon cerveau. On était 15 dans 20 cm carrés. Moi, je suis en coloc ici, donc ouais, les confinements. Enfin, ça va, on a au moins une chambre chacun, mais. C'est vrai que les petits apparts, les petits studios, les trucs, les colocations en confinement, au bout d'un moment, ça fait un peu lourdingue. Marteau. Je vais prendre le marteau pour augmenter un peu les... voir ce qu'il va me donner. Munitions performantes, triple bombardement, système de visée. Ah, triple bombardement, c'est pas mal ça. Ah, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ceux qui font des bisous, comme il y a un côté mécanique, c'est pas spontané, donc j'aime pas trop. En soi, ça me dérange pas, mais comme dit, quand moi je le fais, j'ai l'impression que ça fait bizarre. Je sais pas. On va reprendre du Artemis. J'aimerais bien avoir son petit truc là qui fait du... qui me fait une petite aide à la visée, on va dire. Ouais, faites des rebonds là, allez exploser ailleurs, merci. Ah! Il reste encore des chars? Bah bien sûr qu'il reste des chars. J'aurais dû prendre un truc pour éviter les chars follets, mais... Ah! Les papillons de ces morts, là! Combien il en reste? Plus des masses, ok. Je crois qu'il en reste juste un. Bah ça va, il est quasi crevé, lui. Hop. Par contre, venant d'Azela, je dis pas non au bisou. Ah bah oui, mais forcément, mais là, il y a une prérogative vraiment spéciale, donc... Alors, tir de soutien, frappe mortelle, j'ai rien sur la frappe encore. Dommage, parce que j'aime bien le tir de soutien. Mais on va prendre l'attaque, vu que j'ai déjà un bonus sur de 250% sur les critiques. Oh, poisson! Du coup, à côté de Hades, la pêche dans Sea of Thieves, elle fait vachement difficile. Ok, ah, il y a un truc là. Hydracola, j'en ai plus de l'hydracola, je crois. Bah non, j'en ai plus. Bah tiens, on va en prendre. J'ai la bonne méthode, je donne des vies supplémentaires. Hein. One up. Oui, oui, je veux bien des vies supplémentaires à Hades, je dis pas le contraire. Même si en vrai, je les ai encore toutes. Bah écoutez, on va aller chercher un petit cœur parce que j'ai que 200 points de vie et ça me stresse. Voilà, ça a 225 points de vie. Ah ouais, c'est un peu léger quand même. Je suis habituée à mieux ici. Enfin. Ouais, on va se débrouiller avec ça. Je commence à connaître Thésée et Astérion maintenant, donc... Donc voilà, dans leur magnifique gloire, Thésée avec son masque et son char doré, et Astérion, chevalier d'or du taureau. Très mesuré, est revenu nous défier sous les yeux de notre public adoré. Ah, Thésée.
Alors apparemment, dans la toute première version du jeu, c'est Thésée qui était censé être le héros et qui devait s'échapper des enfers. Et je suis bien content qu'on ait mis Agrius à la place parce que je suis pas sûr que j'aurais supporté Thésée pendant tout le jeu, quoi. Un peu light, mais tu peux encore remonter d'un peu ta vie dans le temple du Styx. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien être à 300 PV pour le temple du Styx minimum quand même, mais... Je comprends pas cet endroit. Comment ça se fait que tu es encore le champion après tout ce temps? Après avoir perdu autant de fois, je veux dire. Je me pose la question depuis le premier jour, en fait. Le tacle! Le tacle! Il faut bien plus que de simples victoires pour être un champion. Il faut aussi la manière de penser, l'allure, la dignité d'un champion, chose que tu ne posséderas jamais. Toi non plus! Enfin, je sais pas si je peux appeler ça de l'allure et de la dignité dans son cas, mais bon. 300 et 400, c'est au petit, ouais. Allez, bon bah écoutez, hein. Ok, Astérion, tu commences comme ça tout de suite, d'accord. Bah bravo, enfin pas bravo, justement. Ouh. Voilà. Ils sont bien excités aujourd'hui, hein, vous trouvez pas? Ouais, ouais, ils sont excités. Je les ai connus plus calmes. Bon. Bon, évitons les bombes. Et puis les tirs de mitraillette. Je sais que les tirs de mitraillette dans l'antiquité grecque, ça le fait moyen quand même. Ah, j'avais une bombe qui traînait encore, ok. Moi je dis, quand un mec en pagne te parle d'allure et de classe, tu sais que Jean-Paul Gaultier est passé par là, c'est à peu près ça. Ouh! Ouf! Ah! Ah! Ah, le bol! Je me suis pas pris les obus. Il est où, Astérion? Astérion qui a le feu aux fesses, comme d'habitude! Où est-ce que je tire, moi? Bon, c'est le Minotaure que je dois descendre, hein. C'est pas Thésée, là. Enfin, pas tout de suite. Zut. C'est beaucoup d'esquives sur ce fight, hein. Beaucoup de cavalcades. Faut pas dire que c'est le combat Arlette Grusse, mais enfin, des fois, c'est pas loin. Ah, j'ai plus de... ce serait bien de pas rester dans les obus. Regardez-moi ça. Ah, mais regardez-moi ce combat. Quelle honte. J'aime bien Thésée avec ses remarques sur la technique. Il peut parler, lui, hein. Je crois que j'ai perdu la protection du gland, ouais. Non, ne pas rester là, ne pas rester là. Bon! Ah, c'est vrai que oui, je l'ai pas rencontré en tant que mini-boss, du coup, donc... Ah, par contre, l'appel d'Artemis, il va être bienvenu sur celui-là. Ouf. Ah, j'essaierai de rattraper le chat tout à l'heure. Non, mais c'était pas Thésée, je voulais toucher. Non. C'était pas Thésée que je voulais toucher. Cette loose. Il parle de son char là quand il dit que ce truc est en train de tomber en morceaux? Ah, zut. Mouais, mouais. Faut pas que je touche Thésée.
Ah merde. Ok, ça va être sport, je l'ai jamais fait comme ça. C'est l'appel d'Artemis, c'était pas le bon plan. Hein. J'aurais pas dû le lancer à ce moment-là sur Astérion. Oh là là, oh là, ah ah. Bon, ça c'est fait. Là, je l'ai mal joué celui-là, désolé. Bon bah écoutez, hein. Il y en a un des deux qui va y passer, je sais pas lequel, mais... Ce serait bien que ce soit pas moi quand même. Allez Astérion! Bon sang, il résiste, hein. Voilà. J'aimerais juste que arriver à faire canner Thésée. Oh. Avant que ce soit moi qui crève, ça sera cool. Voilà. Fou. Ah oui, d'où ça? J'ai encore oublié d'où ça. Ouais, je peux, c'est juste que j'ai perdu une vie. C'est Mais bon. Salut mon ombre. C'est ça qu'il y en a qui jouent et qui transpirent des dents et d'autres qui regardent en rigolant. Non mais en vrai le problème c'est que faut buter Astérion en premier. C'est surtout ça. Oh, voilà une de vie, oh, merci, c'est trop gentil. Non mais ça devrait aller, c'est... Entre les trucs de soins... Voilà. J'ai assez de pognon pour un baiser du Styx et... Je vais prendre la dent de Tados juste pour être sûr. Oui, t'es à côté de mon ombre, oui, il y a un petit panda roux, vous le voyez pas sur l'écran mais il faut vous imaginer qu'il y a un panda roux. Dans le public. Ouais. Non mais... J'avais balancé l'appel d'Artemis, il me semblait que j'étais plus près d'Astérion et que normalement ça aurait dû le frapper lui, mais ça a cogné Thésée, donc... C'était pas voulu! C'était pas voulu du tout! J'ai pas vu du pognon ici? Ah non. Donc j'espère juste qu'il va pas y avoir trop de merdouilles là-dedans. On va aller déjà récupérer un cœur de centaure. Voilà. Et t'as pas un des préparations faites? Mmh, miam miam. Point compliqué, hein, ouais. Alors, bah, il y a un autre cœur ici. Il y a du Athéna, il y a du pognon. Bah, écoutez, je vais commencer par le cœur et je vais dire que le sac de satyre est chez Athéna. Comment ça? Pourquoi il a fait 1? J'ai pas trop compris, là, sa surprise. Pourtant, le temple du Styx... Voilà. J'aurais peut-être pas dû la jouer comme ça. Mini-poil, si tu tues Thésée en premier, alors la dernière phase d'Astérion est merci. Je vote l'argent. Comment ça, la dernière... Ah, d'accord. Ah, intéressant. Ah bah là, faudra que j'essaye, tiens. Faudra que j'essaye pour voir cette dernière phrase. Bon, les petits rages, franchement, à part les buter à l'élan, je crois que c'est ce qui... Ouais, je crois que c'est plus efficace. Donc, Azela, tu votes l'argent. Ouh! Un connard en armure, en plus. Tiens, explose. Explose. Voilà. La santé, la nervosité, là, que j'ai envie de voir Hadès. Ah! Ils m'ont surpris, eux. Voilà. C'est un peu plus propre comme ça. Et effectivement, déjà, il est pas là. Ça, c'est sûr. J'aime pas cette salle, je sens venir les cristaux qui tirent des rayons, je sais pas pour vous. Ah, c'est raté. Non, ils sont pas assez proches des lames. Ah, encore que.
Ah, il y a des petits rats, ok. Bon, ben. C'est un peu lent de le buter à Léon d'Athéna, mais ça a l'air de marcher. Alors, si je suis sur la fin du jeu. Ouais, je suis sur la fin du jeu. C'est le dernier niveau, et après, bah, il y a le boss final. Donc là, j'ai juste quelques salles à traverser. Il faut que je trouve un truc qui s'appelle un sac de satyre. Et une fois que je l'aurai trouvé, ben à ce moment-là, je pourrai aller me friter le boss. Ah, oui, il avait balancé une bombe. En vrai, si je savais viser, ça irait mieux. Allez, venez par ici. Bon, bah écoute, hein. Voilà. Ouf, c'est fait. On va tous mourir, hein, à part se cacher dans le placard. Non, en vrai, c'est plus moi qui risque de mourir à ce niveau-là, mais... je vérifie juste que j'ai tout nettoyé. Autre mini-spoil, une fois, j'ai même eu Hadès qui, en devenant invisible, m'a dit « Excuse-moi un instant. » Ah, ça, je crois pas que je l'ai eu. Ah, poisson. Moi, j'ai par contre eu Hadès où j'ai utilisé son... ça, c'était excellent. Il fait son darkness, moi, au même moment, je fais « Father !» et je fais le même sort, et il fait « What ?» C'était génial. J'étais morte de rire. C'est vrai que j'utilise pas souvent son objet, mais c'est très fun. Un Goopa. Ah, je suis à combien de points de vie? 275. Ouais, bon, on va faire avec. Hein. Moi, j'avais parié sur Athéna et Azayla sur l'argent. Donc, on va voir. Voilà, venez exploser, vous. Ah, il y en a encore un là. Je l'avais pas vu. La première fois que je vois leur bombe, d'habitude ça va trop vite. Chuba vote la grenade. Bah j'espère que non, parce que la grenade c'est une salle sans doute avec un mini-boss. Donc c'est pour ça que je parie jamais dessus, je veux pas me jinx. Allez, boum! Oh, je déteste ces trucs, ils sont mais dégueulasses au possible. Ça, c'est des satyres, hein, les machins qui font des bruits de mollards ignobles et qui vous balancent du poison. Non. Oh là là. Oh mais quel crado, quoi. Je suis arrivé à le toucher, hein, je suis pas sûr. Voilà. Il est bien ce piou-piou laser, j'aime bien. Hein. Niveau maximum, là je sens la différence. Bon bah déjà ce sera pas... Moi j'ai perdu mon pari. Puisque ce ne sera pas dans cette salle. C'était quoi? Il y avait un chiffre qui... Il y avait un petit décompte là-bas. J'ai pas vu ce que c'était. Ah ouais, j'ai pas vu du tout. Ah! C'était pas ce que je voulais faire. Bâtard de cristal. Vous sentez venir le deuxième refus de la mort là-dessus? En vrai, ça devient un peu chaud du coup. Je sais pas si je vais la finir celle-là. Remarquez, c'est pas grave, hein, je peux la recommencer. Ok, bah j'espère que c'est dans la troisième salle, parce que sinon je vais mourir avant. Hein. Elle me donne pas de refus de la mort, et merde. Ça, ça aurait été cool. Peau de bronze, démarche assurée. Ouais. Peut-être prendre peau de bronze, je sais pas. Je vais prendre ça. Non. Je sais pas ce que je veux là-dedans. Bah tant pis. Tu vas aller te reposer. Ben écoute, repose-toi bien, Blood Monday. Et puis ouais, si t'arrives à dormir un peu, mais peut-être pas jusqu'à 22h cette fois.
Sinon, ça va faire beaucoup. Bon, on va chercher le pognon, hein. À défaut d'autre chose. Ouais, en vrai, je sais pas, hein. Il est pas super bien barré, du coup. Avec que de refus de la mort. Sinon, tu cries dans le micro, je laisse mon arc. Je vais crier au secours. J'ai des rats dégueulasses qui me balancent du poison. Est-ce qu'il y a au moins une fontaine d'anti-poison? Bah oui, de ce côté, évidemment, du mauvais côté. Ouais, il est mal barré, hein. Ok. Là, honnêtement, pour ce coup-là, je sais même pas si je vais arriver sur Hadès. Ouais. Si le sac de satyre, il est pas là-dedans, c'est fini. Évidemment, il n'y a pas de baiser du stick, il n'y a rien, quoi. Ouais. Y'a vraiment rien là-dedans. Ok, eux c'est fait. Et... prends un chat pour se battre contre les rats, ouais. Bon, ben, ouais, cette run elle est morte. Hein. Parce que je suis pas sûre que je peux survivre à encore une quatrième salle. Et si je le peux, je vais pas arriver très loin ensuite. Ah, j'aime pas ce genre de situation. Ouais. Ah, c'est pas là la fontaine, zut. Je suis encore passé du mauvais côté, moi. Mouef. Bonne idée, crier blood au secours, c'est comme dit, vite de l'essence, je brûle. Voilà. Non, mais c'est ça m'embête, c'était bien parti, mais... là, pour la fin, ça va l'être un peu moins, quand même. Parce que les deux salles qui restent sont plus difficiles. J'espère que tu verras peut-être ton papounet, quand même. Si je le vois pas, je recommence, hein, c'est pas grave. Hein. Mais avec eux, un refus de la mort... bon. On va aller chez Zeus, hein. Mais ouais, je sais pas, je le sens pas. En général, 3 salles, c'est mon maximum là-dessus, mais si j'arrive sur Papounet sans refus de la mort, pff, honnêtement... Si j'avais les racines persistantes, ça serait jouable. Mais comme je les ai pas... Allez, explose-toi, voilà. Pour ça que des fois, je commence par les salles les plus dures. Ouais, mais ouais, je sais pas. Le vrai problème là-dedans, c'est le poison. S'il n'y avait pas les machins empoisonnés, ça irait, quoi. Mais après, ouais, pourquoi pas recommencer une run avec le gun. Je sais pas. On verra. Oh, je vais déjà prendre ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bon. Le reste, c'est pas GG, donc... préparation 2, ok, ça sent bon la nourriture. Pire, c'est que j'ai la race de pognon, quoi. Il y a que du poison ici. Ouf, c'est un mini-boss. Et merde. Et merde. Il est où? Get out of here. Ah, il est déjà mort. Tout ça, j'y pense pas, tout ça, j'y pense pas. Éclair fractionné. Ben écoutez, je l'ai jamais eu celui-là, donc on va le prendre. Enfin, je crois pas que j'ai déjà eu.
Ouais, il est tombé vachement vite. J'étais assez surprise, je me suis dit. Et je me serais tapé les 5 salles. Je me serais tapé ces 5 salles de ces morts. Sérieux. Sérieux. Ah ben, je crois que c'est arrivé qu'une seule fois que je dois me... C'est la deuxième fois où je dois me taper les 5 salles. Ouais, Chuba, t'avais raison. Hélas. Hélas, tu avais raison. J'aurais préféré que ce soit moi qui ai raison, mais tant pis. Bon. En vrai, au moins, je sais que le truc de satire, il sera forcément ici. Il n'y a pas vraiment le choix. D'accord, j'ai... Plus d'hémolite. J'ai plus de vie non plus. Enfin presque. Ah ça va être chaud. Hein. Mais si ouais. Je veux au moins voir à quoi ressemble papa, même si je ne le battrai pas. On va monter le soutien. Ah ça va être léger. Hein. Avec juste une vie, ça va être léger. On va prendre un peu de Zeus, électricité statique, réflexe foudroyant. On va prendre ça. Puis je vais augmenter de 2-3 trucs. Hein. Allez. Histoire de faire dans le overkill. After deliberating briefly. Bon, j'espère que je verrai la nouveauté. Ouais, moi aussi, parce que franchement, j'ai l'équivalent de 2 vies, quoi. Enfin, même pas. C'est dommage, là, tous les Athéna que j'ai eu, ça aurait été... Et n'oublie pas Doussa, t'as raison, je vais aller lui péter tout de suite, la Doussa, comme ça je suis sûre que c'est fait. Non, mais je réessaierai après pour la deuxième run, y a pas... En tout cas, il y a toujours sa cape. T'attends depuis longtemps. I was reviewing the terms of the pact of punishment to which you are bound. Ah oui, bah oui, même en recours en mesure d'urgence, c'est à moi de m'occuper de toi maintenant. Je te rends par surprise, non? Après Thésée, son macédonien, je m'attendais à le voir parader sur un char doré tiré par deux fiers d'astriers, mais non, ce n'est que toi. En l'occurrence, ça devrait être plus que suffisant. Ouais. Allez, il va lâcher son limiteur, là. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ah, trop tôt. Ah, ok, ça y a relâché les hémolites. Il a fait un truc là, non? J'ai l'impression que ses crânes, ils sont un peu différents. J'ai l'impression qu'ils sont différents et j'ai pas envie de savoir dans quelle mesure. Aïe. Ça pique un peu. Ouais, il y a quelque chose avec ses crânes, mais je sais pas quoi. Aïe. Et ça lance aussi, j'ai l'impression. C'est peut-être que moi. Viens là. Oula, oh ça pique. Ah! Ok, bah là on va faire d'où ça? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ouais, bah j'ai déjà vu une première surprise et déjà comme ça c'est. Ouais, je vais pas y arriver sur celui-là. Ah mais attends, il le fait réapparaître ou... Ah non, il s'est... Ouais ok, il se téléporte. Je vois le délire. Mais je pense que je vais crever. Ça leur a frappé le crâne.
Ah mais il est encore là ce bâtard. Il y en a combien? Ouais, bah voilà quoi. Cherche pas les différences, reste focus, ben... Ouais, mais si je comprends pas les différences, je saurais pas quoi attaquer. De toute façon, en même temps, avec ce qui me restait comme life, c'était mort, quoi. Mais là, c'était intéressant. Je vais même pas savoir la deuxième phase. Oui, parce qu'en fait, je comprends pas l'espèce de cristal, là, le gros, avec une en armure, il se téléporte, il se régénère, ou c'est différent qui apparaissent, et si oui, combien de fois? Est-ce qu'il faut que je les bute en premier, tu vois, c'est... Ah bah yo, y'a personne ici. Comme ça je peux rentrer la queue entre les jambes sans que personne me voit, c'est parfait. Ah, y'a Nyx, on va lui parler. Je t'ai te transmettre les salutations du Seigneur Arès, ok. Oh, yes. Je peux pas les louper les différences. Bah déjà là, elle m'a surprise, donc si ça c'était pas une différence, je vais pas savoir ce que c'est. Hein. Je vais pas savoir du tout. T'as pas eu ce mob cristal, ouais, si en plus c'est différent selon... Tu l'as fait une fois avec les mesures d'urgence ou tu l'as fait plusieurs fois contre Hades? Ah, non, y a personne. Personne dans ce palais, là, ils sont passés où? Ah, de nectar, ça c'est cool. Ça c'est cool. Clactonienne. Qu'est-ce qu'il y a comme... Allez, on va prendre ça. Je l'ai fait deux fois, mais réussi qu'une seule fois. Ok. Ben, moi je dis, on va se la refaire une deuxième fois. Il y a quelqu'un qui a rigolé ou c'est moi? Je croyais d'abord que c'était Hades. Mais... Ah oui, maman, je me suis fait mettre une raclée. Cuisson infinie, mais je suis en retard. Bonne chance, tu me donnes faim, là. Il est que... Il est même pas 11h et j'ai déjà faim. On the contrary, Zagreus. It has its own. Ouais, le jardin sombre des enfers. J'étais impressionnée de voir qu'il n'a pas été complètement laissé à l'abandon pendant mon absence. Mais pas grâce à moi. Voilà, il m'était complètement interdit d'accès, mais mon direct père a fait de son mieux pour l'entretenir. Ah bah oui, bah tôt ou tard, il fallait le tenter, hein. Si on ignore le fait qu'il t'avait interdit d'y accéder. Ouais, on va prendre soin du jardin ensemble, ouais. Non mais sérieux, c'est... Regardez ma tête. Regardez ma tête, je suis blanche comme une lune, c'est horrible. Je devrais refaire mon look goth quand j'aurai une coupe de cheveux un petit peu moins minable. Histoire de... Ah, attendez, je voulais essayer d'autres trucs sur le miroir, il me semble. Toucher Midas, il n'y a pas autre chose que je voulais faire là? Ferme conviction. Non, c'était pas ça. Maybe the other. Faveur de l'Olympe, préscience obscure. Il y avait un truc que je voulais faire, mais peut-être pas avec les mesures d'urgence. C'est l'éclairage qui me fait très blanche. Mais l'éclairage là, en vrai, c'est juste la lumière du jour. Hein. Elle arrive de ce côté, c'est pour ça que je suis plus blanche de ce côté. Mais j'arrive pas à trouver un bon éclairage qui me fait pas trop blanche et qui me permette de gérer le fond vert sans qu'il y ait des vibrations et des trucs dégueulasses partout, quoi. Ah, je sais pas. Est-ce que je retente au gun? Ou est-ce que je tente au glaive? Non, je vais retenter au gun, allez. Et juste cette fois, je vais partir sur du Artemis en premier. Et ensuite sur du Zeus. Allez, go. Comme ça, moi, j'ai pas à me poser de questions sur ce que je vais mettre dessus. On va voir. Bah le pire qui puisse m'arriver, c'est que je meurs à la fin. De toute façon, je meurs à la fin. Allez, un petit soutien légendaire, là, non? Non. Elle s'est picolée avec Callisto et les autres nymphes. Ouais, cool. Technique mortelle, tir précis, frappe mortelle. Bon, on va prendre la tech. Hein. Ouais, je vais y arriver. Tôt ou tard, j'y arriverai. Si j'évitais de prendre des dégâts dès maintenant, ça serait cool, par contre. On va tenter ça. Ah, c'est dommage, j'ai pas le lancer là-dessus, mais... How about a little contest, boy? Comment ça, un petit concours?
On va, vous savez quoi, on va balancer des bombes partout, il y en a bien une qui finira par toucher. Non? Je sais pas, hein. C'est une technique qui en vaut une autre. Bingo! Première cuisson poêle, je sais pas qu'est-ce que j'ai à manger, à part un marteau, hein. Ah oui, je me fais des toasts au saumon à midi parce que le dimanche, j'ai trop la dalle pour pouvoir cuisiner après le stream, donc je prends des trucs courts à faire. Mode flemme activé. Mais genre grave, quoi. Non, c'était pas ça que je voulais faire, je voulais juste leur tirer dessus. Alors... Rayon concentré, bah rayon concentré ça a l'air pas mal ça. Ouh, les dégâts de l'attaque augmentent 100%, augmentent 100% plus rapidement, allez go. Go sur ça. Et on va récupérer des obsidiennes. J'ai dit pourquoi j'ai déjà 150 PV, mais c'est parce que j'ai récupéré le cœur. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, le lancer de base, franchement... C'est quand même moisi de chez moisi, hein. Allez. Hop. Lol. Bon. Ah oui, c'est vrai, j'ai rien sur l'élan encore. Pour l'instant, j'ai que un bienfait. J'aimerais bien trouver des bienfaits plutôt que des gemmes, là, pour le coup, parce que... C'est pas que j'aime pas les gemmes, mais un peu... Enfin, voilà, quoi. C'est pas ce qui va m'être le plus utile à ce niveau du jeu. Allez, go, les petits crânes! Explose, non, tu veux pas? Non? Bon. Maintenant il explose. Il est où le machin? Ah, il est là. Voilà. Voilà, voilà. Récupérer le butin. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tribu de Midas. Mouais. Mouais. C'est un peu moisi, hein. Hey, filez-moi des bienfaits. Je veux quand même pas arriver sur. Sur les boss avec juste ça, quoi. Ce serait minable. Voilà, eux au moins ils sont faits. C'était quoi ça? J'ai fait quoi? Je sais pas ce que j'ai fait avec mon... ma bombe. C'était un peu bizarre. C'était même très bizarre maintenant que j'y pense. Ah! Ouais, je te vois, mais c'est pas pour autant que je vais arriver à te toucher. Hein. Ok. Fou, ça va pas être rapide ça. Je crois que. Ah, le petit dégât du lancer sur l'armure, quoi. Allez, rapproche-toi un peu. Voilà. On va lui refiler un nectar à l'ami Artemis. Hein. Ça va être contente. Hein. Et un petit soutien? Petit soutien... Non, bon. Tir d'Artemis, c'est pas celui que je veux. Je préférais avoir Zeus sur ce coup-là, donc on va prendre la frappe mortelle. J'ai cru entendre le bruit du poisson. Non? Ah bah voilà! Ah bah voilà, je me disais bien que j'ai entendu le bruit de la pêche. Allez! Allez le poisson! Allez! Toutou!
Yes. Et je sais toujours pas quels sont les poissons qui me manquent. Bon, en vrai du coup j'avais assez de clés donc finalement j'en ai pas repris. Voilà. Bon, j'ai toujours pas visé. Rien de nouveau. Ah, il reste quoi encore? Il reste un fils et une sorcière. Hein, bon, 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 bon. Là, j'ai des cœurs de centaure. Ça me va. Mais je suis léger niveau bienfait sur ce début de run. Hein. Oh là là, je pense qu'il va falloir que j'aille. Et pareil, niveau pognon, j'ai rien. J'ai rien en pognon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hein. Ah non, peut-être que je me barre là. Ça pourrait être bien de me barrer. Tiens, maintenant elle explose la bombe. Maintenant elle explose. Tu veux voir un truc? Non. Ah, c'est moi qui rêve. Ah dis donc, sans bienfait sur l'élan, j'ai fait quoi là? Ah oui, je me suis pris un piège, pour pas changer. Ah ouais, on sait pas. C'est marrant, mais cette run, je la sens pas. Hein. Je la sens encore moins que l'autre. Ils sont vachement nombreux quand même les ennemis. Alors que j'ai pas pris de châtiment qui joue là-dessus. Non? Ou c'est juste moi qui... Sisyphe et Caron, ouais. Vous la sentez la motivation là? Je vais arriver sur le boss avec deux bienfaits quoi. Hey, sir. Oh, ça va être chaud. You're a good friend, Baldi. Ça va être chaud. Si c'est les trois Erini, c'est dead. Cœur de pierre, dégâts de technique, ouais. Bon, on va prendre du pognon. Bon, normalement, c'est pas encore le boss. Non, c'est pas le boss. Ah non, ça va. Parce que là, ouais, c'est léger, hein. Ça, c'est léger de chez léger. Et par c'est où ma bombe? Ok. Bon, écoutez, on va aller chez Caron. Hein. Chuba a mis le feu. Enfin non, j'ai déclenché l'alarme avec la fumée. En vrai, je rigole, mais moi, ça m'est arrivé de déclencher l'alarme avec... avec une bougie, hein. Non, c'est pas ça que je voulais Artemis, bon tant pis. Bon, dis donc. Bon, à défaut, on va prendre le lancer, mais... Ah, je suis pas motivée, là. Autant l'autre run, elle avait bien commencé, autant celle-là... Ah, je sais pas. Hein. Alecto, super. Bon, ben... Je suis pas fan du lancer d'Artemis, je sais pas pourquoi. She's getting mad. Ouais. Remember this? Vous le sentez venir, le truc moisi?
j'ai balancé des bombes partout. Au moins, ça les occupera. À défaut d'autre chose, hein. Marqué, ça marcha peut-être, hein. Siphon, casse-toi. Je sais plus ce que j'avais eu comme truc sur le marteau. Ah oui, l'attaque qui charge 100% plus rapidement, je crois. Je vois rien. Je vois rien du tout. Je vois strictement rien. Ah, je suis passée au travers de ce truc. Ah, cool. Ah non. Je me disais bien. Ça peut pas être si beau. Pire, c'est qu'elle est bientôt down, hein, mais... Ah. Si vous voyez quelque chose, faites-moi signe, hein. Ah oui, Chubaf, t'es innocent, on le sait. Ouh. Bon. Bon, au moins j'ai pas perdu de refus de la mort. Point positif. On va prendre Zeus, je vous cache pas, si je tombe sur le lancer de Zeus, je vais les changer quand même. Enfin, par rapport à celui de d'Artemis. Hydracola... On va rester sur ça pour l'instant, parce que j'ai... Je suis pas censé avoir plus de pognon que ça. Oh, je sais pas. Ah, vous savez ce que j'ai pas repris, le porte-monnaie de Dipnos. C'est le tout premier objet que j'avais eu et c'est celui que je n'utilise plus. Coucou Dan, comment ça va? Ah, je suis en train d'essayer les mesures d'urgence sur Hadès. Alors j'ai échoué une première fois évidemment, donc maintenant on essaye une deuxième. On va voir ce que ça donne. Ah, remarquez que j'avais pris moins de dégâts sur la lave quand même la run précédente. Je veux dire par rapport à d'habitude. C'est intéressant. Ah, zut. Et plus de munitions. Allez. Je suis arrivé à faire exploser ce truc un jour, hein. Yes. Pas de la façon dont je voulais, mais... je suis au max sur Hermès? La tête dans la crémière, et toi? La tête dans la crémière ou... Dans le cul de la crémière? Ah, je suis pas au max, mais... Sorry, boss, my carpet pressing matches to attend. Ouais. Ouais. On va prendre celui-là. Ouais, du Zeus! Enfin! Yes! Chubaf pète le feu, littéralement, il a déclenché l'alarme incendie. Il faut pas le dire. Bonjour, j'apprends à viser. Allez, petit rayon laser dans le piou-piou dans le cul. Là. J'ai même pas le pied dans la lèvre. Wouah. Allez, explose toi. Je suis plus démolite, cette tristesse. Non, reviens là toi. Ah. Tiens, va donc jouer qu'une bombe toi. Visiblement, la bombe, c'est pas ça. Hein. Ça veut pas exploser. Il reste juste lui, je crois. Yes. Tonton Zeus, je suis au max.
Chubalf, bah je crois qu'il fait à manger en fait. Je crois qu'il fait juste à manger. Petit avant-goût du paradis. Ouf, soutien de Zeus, élan foudroyant. J'ai envie de prendre l'élan. C'était pas le meilleur, mais j'ai envie de prendre l'élan. Charon, Zeus, Artemis, bah voilà. On va voir ce que ça me donne là. Ah oui. On va commencer par Zeus. Hein. Les expériences culinaires, c'est exactement ça. Ouh, frappe foudroyante héroïque, je pense que je vais... je vais échanger ça, hein. Allez, go. La Artemis, elle a deux fois le seum. Ouais, pardonnez-moi. C'est pas aussi marrant que la fois où j'ai utilisé l'appel d'Artemis contre elle-même, ça c'était fun. C'était très très rigolo. Spoiler, elle était pas contente. Voilà, maintenant que j'ai de l'élan, ça explose un peu mieux quand même. Ah, il y en a encore. On va peut-être changer de terrain. Allez les moches, venez ici. Venez me rejoindre, il y a un peu plus de place. Si je meurs pas avant. Aïe 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 aïe. Non, c'était même pas le dernier. Donc. Elle est excitée Artemis, hein. Elle est pas contente. Mais genre pas du tout. Gardez-moi ça. Mais je pense que là, ça doit être la dernière vague. Normalement, j'espère. J'espère genre vraiment. Non ! Bah dis donc ! Allez ! Ah ! Presque ! Presque ! Yes ! C'est censé être une surprise pour moi, déjà qu'il me tolère dans la même pièce. Ouais, c'est la surprise ! Chérie, il y a le feu ! Non, non, tout va bien ! Allez donc ! Ah, c'est pas fifou, hein ! Je vais prendre plaie ouverte. Ah, bah on va quand même aller récupérer ce qu'elle a dedans. Allez, go. Et qu'est-ce que j'ai comme Aphrodite et Athéna? On va récupérer du Athéna. Belle mentalité. Ouh. Quelqu'un a perdu une colonne vertébrale. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Zag. Allez, toi, tu vas mourir. Toi aussi. Boum ? Non, pas boum ? Toujours pas boum ? Ah si. Alors, un autre cristal. Aïe. Moi, je me prends la bombe pile au dernier moment, quoi. Le bordel! Le bordel là au milieu! Voilà! J'arrive à faire exploser cette bombe et tout va bien! Juste encore les deux là, je pense. Enfin, celui-là. Yes! Ouh. Bon, on va voir comment ça se passe hein, pour le coup. Qu'est-ce qu'elle va me filer? Bouclier sacré, peau de bronze et démarche assurée. Les pièges, ça peut être pas mal à ce niveau-là.
Allez. Ça pourra toujours être utile par rapport à la lave. La fameuse lave dans laquelle je marche tout le temps. Encore que... Elle me fait plus de dégâts quand je suis au corps à corps quand même. Ah là, il est où l'autre? Ce n'est pas un deuxième? Ah oui, si, il est là. Viens là, toi. Où sont la suite? Il est là. Ouais, c'est bien, reste dans l'air d'effet du truc qui explose, là, c'est cool. Je dis mon laser il est différent mais parce que j'ai de l'attaque de Zeus. Ça. En vrai c'est cool. Lui il a déjà moitié mort. Ouais il est déjà moitié mort. Ah voilà. 225 PV, ça commence à être pas mal. Ah je regarde juste si j'ai pas laissé traîner de l'or ou autre chose. Et après on va aller chez l'ami Cerudis. Ça. Allez, go. Maintenant que je commence à avoir des bienfaits, tout doucement. Ouh, ils sont deux. Celle-là, je la connais pas, donc j'ai pas... Enfin, je la connais pas. Pas suffisamment pour la chanter. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique aussi. Elle était populaire à l'époque. Qu'est-ce que je vais prendre, Délice d'Ambroisie? Ok, bah voilà. On va voir ce que Caron il a me proposé. Purée, j'ai de ces dalles, c'est horrible. Pourtant j'ai bouffé avant, hein, je vous garantis. On va prendre le petit cœur, et puis tant pis pour le Artemis, mais... Il n'y a pas de sous qui traînent. Ah c'est dommage hein, pour 7 balles. 7 balles qui me manquent. Tant pis. Tapis, tapis. On va aller voir Larnie. Ma petite Larnie. On va faire joujou avec toi. Avec ses petites couettes oranges. Ouais, tu m'as manqué. Ma petite hydre bien décharnée. Ça, je te mets un petit piou-piou dans la face. Ou pas. Ouh. Elle a pas aimé, là. Ça lui a fait mal, hein. Le canon, en vrai, il fait des bons dégâts. Hein. Là... Bon, la lave aussi, elle fait des bons dégâts, mais ça, c'est autre chose. Voilà, et je crois qu'il reste une tête encore. Yes. Ouais, c'est bon. Allez, viens là. Viens là, ma grande. Voilà, ça c'était bien rincé. Effectivement, je valide donc le canon au niveau maximum. Abusé de chez abusé. Ah t'es en retard tout. Non Chouba, faut pas stresser, c'est dimanche, vous êtes tranquille. Stresse pas, ça va se passer bien. Tu mettras pas le feu à l'appartement. Enfin je pense, enfin j'espère. Ah j'arrive pas à péter celui-là. Non, arrête de me taper dessus. Je suis où? Ah, je suis là. Faut pas que je reste dans la lave, c'est pas bien pour ce que j'ai. Voilà. Et je pense qu'elle va bientôt y passer, elle, mais ce serait bien que moi j'y passe pas avec. Allez, viens là, reviens. Reviens, Larnie. Reviens, rapproche-toi. Bon, tu veux pas, d'accord. Oh bah si tu veux pas hein. Voilà.
De ma faute, j'ai dit que je commençais à avoir faim. Ah! C'est parce que moi, je vous donne faim en commençant à avoir faim aussi, c'est ça? Enfin, de retrouver ton cou. C'est quoi cette réplique? C'est quoi cette réplique, Zag? Non, mais en vrai, mais j'ai super faim. Pourtant, j'essaye de manger, genre, juste avant le stream, hein, pour être sûr, mais... Ouais, ça a là niveau chaleur, y a pas de souci. On reprend le gland magique. Inspire, expire, ferme les yeux, apaise ton esprit. Une fois détendu, tu commandes un Uber. Ah ouais. Ouais, je sais pas, mais je suis pas. Il m'enjaille pas trop là les bienfaits que j'ai. Remarquez, avant j'avais des la run précédente, j'avais des bienfaits qui me plaisaient bien et pourtant j'ai quand même pas réussi donc. Qui sait? Peut-être qu'un petit miracle va se révéler. Ah bah. Mais j'ai pas beaucoup de pognon. Hein. Là. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de pognon. Allez. Non. Comment il a réussi à me toucher, lui? Ah, d'accord, il y en a un qui s'était planqué dans les autres. Je croyais qu'ils étaient que sous forme de crâne, et en fait, non, il y avait lui aussi. Ah, le bâtard. Les chars qui miaulent. J'ai peur. Voilà, explosé, c'est bien. Alors, j'ai droit à quoi? Je crois que c'est le deuxième marteau. Triple bombardement, brasier infernal et combustion instantanée. Sa portée est 15% plus grande. Ah! J'aime bien celui-là, mais celui-là aussi est sympa. Je vais prendre ça. Je vais quand même prendre celui-ci. Et là, il y a quoi? 150 moif. Bon, je vais aller chercher du pognon pour cette fois. Parce que, comme dit, c'est vraiment léger. Allez, viens là, le char. Ah! Il est mouru? Il est mouru. Ah, j'y étais presque, mais il était un petit peu loin de l'air des faits. Viens là! Viens là! Voilà. Allez, on rince par derrière, ça marche toujours bien. Sympa le truc de Zeus, hein. Mais t'exploses toi ou pas? Non, bon. Si tu veux pas, hein. Aller assez vite. Bon, au moins j'aurai 200 balles. Waouh! Ah, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Un cœur ou Patrocle? Je vais quand même aller chercher de l'hydracola. Hein. Ça se refuse pas. Enfin, c'est du premium. Nous étions invincibles ensemble. Là, ils se racontent leurs souvenirs de guerre. Ah non, même pas, ils tout seuls. Ok. Mais si, tu vas m'être utile avec ton Hydracola Premium, allez. Chercher du Déméter, ouais. Allez, go. J'aurai peut-être Astérion. Il y a un petit crâne. Ah non. Juste un beau papillon, là, tout pourri. Ah! Tchouuuu! Il va vite me saouler, lui, hein. Voilà. Ah, j'ai jamais fait gaffe à l'animation quand il explose le papillon, c'était marrant. Bon, heureusement que j'ai pris de l'hydracola, hein. Ça c'est quoi? C'est un lancier. Est-ce qu'il reste un archer? J'ai pas fait gaffe. Yes.
Et évidemment, je me prends sa flèche, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle du tout. Reviens là! Au pied! Yes! Déméter, qu'est-ce qu'elle va me proposer? C'est là qu'elle me propose son lancer. Ah bah oui, bah... Alors comment dire, huile, rayon cristallin pour en épique pour remplacer le tir précis, je veux bien. Là, je veux bien. Allez, go. Au moins, j'aurai un bienfait qui m'intéresse. Non, en vrai, je suis mauvaise langue. Mais là, le lancer de Déméter, je dis pas non. Un petit peu de triangulation, là, tranquillou. Allez, go, viens par là. Ah, il est excité, lui, hein. Voilà. Voilà, avec un lancer qui me plaît, ça va tout de suite mieux. C'est dommage, parce que j'aime bien Sweet Zeus. Je ferai l'inverse pour la prochaine run, je prendrai Zeus en premier de nouveau. Oh là là. Comment j'ai réussi ça, moi? Comment j'ai réussi à me faire toucher? Bon, pas grave. Ah! Ah oui, d'accord. Il y a des cristaux pourris, là, qui vont bien m'embêter. Quand je prends la flèche, là, tranquille. Bon. Zeus, je crois... Ouh, deuxième cuisson four en cours. Tu veux dire deuxième cuisson du même truc ou tu cuis deux choses et là c'est la deuxième qui cuit, Chuba? Olympus, I accept this message. The Showmax, Paraton. Mouais, c'est pas vraiment sur ce lancer que ça va être utile. Donc non, malheureusement non, pas le duo, donc on va prendre les réflexes foudroyants. Je suis casse-pied, on en est où pour l'émote Naolav? Ben, il faut qu'un sub pour que je débloque une emote, malheureusement. Donc j'ai le sub goal qui est affiché en haut. On y arrivera, hein, on y arrivera. Ça me laisse le temps de bosser sur l'emote lave. Je pensais faire des cadeaux de sub, mais je vous avoue que ce mois-ci, je suis pas le... j'ai plus les finances. J'ai dépensé un peu trop, donc ça attendra le mois prochain. Après, je me tâte aussi, est-ce que je fais une emote moi-même hein, ou est-ce que j'essaye de demander à un graphiste de me la faire? Je pense qu'à un moment donné, je demanderai des emotes vraiment personnalisées parce que là, ce que j'ai, c'est avec un générateur. Mais pas tout de suite. Quand ça vaudra vraiment la peine d'avoir d'en commander plus que juste 3, en fait. Voilà. Mais ça viendra. Ça viendra. Mon écran au carrage, je vois pas combien il manque. Alors écoute, le sub-goal, il me dit 7 sur 15. Après, je suis pas allé... Je sais que je peux vérifier qui a sub, mais je vous avoue que je suis pas allé voir. J'essaye de pas trop m'obnubiler avec les chiffres. Parce que sinon, je passe mon temps après à me focaliser dessus. Même si là, bah, y a pas trop. Enfin, ouais. C'est un petit peu Twitch qui force la main, on va dire, quoi. Ah zut, faut que je te rince, toi. Voilà. Allez, le petit dernier. Yes. 280, c'est déjà un peu mieux qu'avant. Hydracola, j'en ai encore. Ah ouais, ok. Voilà. Donc ouais. Bah c'est Dan, les subs, ça montera quand ça montera. Hein, c'est... Clear for now. Petite, enfin, comme dire, comment ça s'appelle des baby steps, voilà. Coucou Dionysos, bonjour, erreur d'emote. Non mais c'est pas grave, hein, c'est le soir quelque part après tout, donc... Comment ça va? Ah, je dis, j'ai pas trop eu le temps de passer cette semaine. Mais je ne désespère pas. Ah! Ah mais il y en a encore un là. Viens là toi.
Allez, viens défaire Joujou. Ah, je sais pas si le rayon peut déclencher les bombes. J'ai pas l'impression. Hein. Je suis pas sûre. On va dire que j'ai un doute. Wow, comme je passe entre les bombes, là, enfin entre les boules de feu. Enfin presque. Où sont mes hémolites? Elles sont là. Non. Ah je peux pas faire la technique de la brochette avec le gun. Tristesse. Ouais, pas rien d'obligatoire. Ok. Ouais, mais j'essaye quand même quand c'est des... Ce qui est juste dommage, c'est qu'au bout d'un moment, ben, on commence à suivre de plus en plus de gens, et là, on se rend compte que ben, on a moins en moins de temps à consacrer à chacun, forcément. C'est dommage. J'aimerais bien avoir plus de temps, mais bon. Hélas. Non, mais faut que je revienne voir quand tu fais du Isaac, déjà. Parce que Isaac, c'est bien. Et qu'il faudra que je commence à y jouer un jour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la vengeance. Ça peut être bien, ça. Je suis pas au max des points de vie, mais on va faire avec. Est-ce que je prends des hémolites? Ouais, allez. De toute façon, j'ai pas trouvé de baiser du Styx maintenant, donc j'en ai pas besoin. Donc. Toujours dur d'essayer de tout faire. Bah ouais, c'est ça, c'est... Ah oui, oui, c'est de là, oui. Ah, ou quoi? Y a pas plus de foutage de gueule que ça? Ok. Bon. Tous ceux qui sont venus assister à ce combat, ben oui. Je vous remercie, moi aussi, d'être venu. Car c'est une belle journée pour combattre. Bon, une belle journée, il pleut un petit peu des bombes, mais il paraît qu'il y aura des chances d'éclaircie tout à l'heure. J'utilise mon gland un peu vite par contre, j'aime pas ça. Astérion, là, il est bien, bien excité. Hein. Pas à dire. J'aurais bien essayé de buter Thésée en premier, mais je sais pas si c'est le bon plan. Ah oui, vous voulez que j'essaye, tant qu'à faire? Pareil pour moi, j'ai rencontré plus de monde en 4 mois ici qu'en 3 ans sur Lyon. Bah ouais, c'est ça, quoi. En vrai, vous savez quoi? J'ai envie d'essayer de rincer Thésée en premier. Pour voir ce que va dire Astérion. Allez. Je vais me le tenter, si ça marche pas, tant pis, au moins j'aurai essayé. Quoique, je suis pas sûre que je vais arriver à le toucher. Ah non, mal placé. Bon ben... Aïe, aïe, aïe. Allez, Minotaur. Thésée, il est bien sauvage, hein. Ah. Non, ça va. Il est où Astérion? Je le vois pas. Ah, il est là. Bon, en vrai, j'ai quand même envie d'arriver sur Hadès, donc... je pense que je vais essayer de faire Astérion en premier, comme d'habitude. Hein. Ah, le gland me protège plus. En même temps, être protégé par un gland, ça le fait pas. Qu'est-ce qui m'a touché, là? Ah, c'était sa hache. Je devrais pas essayer de lui tirer dessus en fait quand il prépare son attaque. On va faire ça comme ça. Wow, ça charge! Bon bah cassos! Cassos! Ouais, j'ai quand même plus de chances d'abattre Astérion en premier, donc on va faire ça. Hein. Yes.
C'est ça, mais comme il pète un câble dans ce combat, quoi, c'est... ça me fait toujours bien marrer. Viens là, Astérion, viens là. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, je sais pas du tout où il est. Le plus marrant, c'est que pour une fois, j'étais pas partie sur le lancer de Déméter, mais... ça s'est un petit peu imposé quand même, on va dire. Donc... ah bah il est presque là. Yes. Bon bah tant pis, j'essaierai de buter Thésée en premier une autre fois. Un petit coup de rayon là. Voilà. Ah non, il est au bon endroit. Ah c'est marrant comme ça. Ça fait trembler le char, c'est rigolo. Faut que je pense à recharger quand même, ça serait cool. Le gars qui a doublé Thésée comme il a dû se poêler en faisant ce rire. La réplique est pas garantie, tire dans le tas et voit ce que ça, et voit si ça passe. Ouais, c'est un peu ça en fait. C'est souvent ma technique favorite, tirer dans le tas et espérer que ça passe. Enfin ouais, c'est exactement ça. Je tire dans le tas et je serre les fesses. Oh oh oh, il a pété son char, il est pas content. J'aime bien comme il finit par terre quoi. J'avais à peine terminé la réparation. Ah là, c'est vengeance pour le char. Ben, comment te dire? J'aime bien quand il m'appelle démon à chaque fois. Je suis pas un démon, je suis le fils de ton dieu, bordel! Enfin... si, Hadès, ça reste un dieu grec, hein! Pas lui, pas dire le contraire, hein. Ouh! Qu'est-ce qui s'est... c'est moi ou l'écran a tremblé? Là, il s'est passé un truc bizarre. Bon, mis à part que Thésée est mort. Il a toujours la même P2 en V2, quoi. La même P2, c'est-à-dire ? Bon. Je n'ai pas perdu de refus de la mort. Yes. Yes, yes, yes. On va reprendre un petit peu de trucs. Bon, bah du coup, je vais récupérer le... la dent, hein. Tant qu'à faire. 315 points de vie, c'est un peu mieux que la run précédente. On va voir maintenant ce que ça donne. J'ai mon rayon, donc j'ai peut-être une chance. Mais je sais pas du tout ce que ça va être sur Hadès, parce qu'avant ça s'est pas très bien passé, hein, on va dire. Disons que le cristal qui lance des rayons et qui réapparaît à chaque fois, ça a vraiment pas aidé. Oh, poisson, poisson, poisson. La revanche, ouais, on va voir. Je finirai bien par y arriver, je finirai bien. Bon, je sais pas comment il y a des gens qui arrivent à température 32, mais... j'imagine que ça doit être faisable quand on n'est pas nul. Seconde phase, hors de son char. Ah, d'accord, oui, oui, oui. Oui, oui, ok, ok, je vois. Oui, il a la même phase, sauf que en fait, au lieu de faire son appel à la moitié de ses points de vie, bah, faut d'abord l'amener à un tiers, et c'est là qu'il fait ce qu'il fait l'appel, mais... dans le doute, je vais prendre ça après. Quoique... non. Allez hop. Je vais le prendre maintenant. Alors, on a quoi? Du pognon. Bah écoutez, j'ai commencé par le cœur. On prendra la grenade et je finirai par Hermès. Donc je vais parier sur la grenade. Pour le sac de satyre. En vrai, faudrait que je reste pas dans les rayons. Ça serait cool. Enfin, dans l'air d'effet de la bombe, pardon. Je vois Hermès. La boule de cristal me dit que c'est Hermès. Bah, on va voir.
Moi je parie toujours sur le deuxième en fait, maintenant le deuxième que je visite. C'est quoi, c'est un rat? Ah ouais, c'est un rat. Allez, viens là. Non! Je voulais éviter, mais en fait, non, ça n'a pas marché. Ça n'a point marché. En fait, je laisse faire le rayon, mais quelle feignasse. Donc, Azélia vote Hermès, Chuba le pognon, et moi je vote... j'avais dit quoi, c'était la grenade, hein. Me barrer de là-bas. Ah, il y a du pognon. Il y a du pognon. Voilà, histoire que j'ai au moins 200 balles de côté pour éventuellement abaiser du Styx quand il y en aura besoin. Vous remarquerez que je dis quand et non pas si. Non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai visé comme une merde. Bon. Il n'y en a pas un troisième? Ah là, il est. Comme ça, toi, tu vas aller jouer avec mon rayon. Toi aussi. Pas rester dans le coin. Ok, qu'est-ce... Ah! Gaz de ses morts. Il est où le satyre? Il est là. Et il y a encore une bombe qui se promène, ouais. Cassos, cassos. Yes. Tout ça pour une vie de plus. Mais ce sera toujours ça de prix. Ok, j'ai nouveau 200 boules, ça va, il y a plus de thunes. Ouh. Vous sentez que je vais y arriver. Mais la run d'avant, j'ai quand même dû faire les 5 salles, hein, avant d'arriver à quelque chose, c'était... Pouf. T'es toujours vivant, toi, ok. Bon. J'espère quand même que c'est là. Ou au pire chez Hermès. Allez, petit rat! Pourquoi j'essaye de les buter avec autre chose qu'avec l'élan en fait? J'ai juste pas le temps. Ah ouais, ça va être cool. Ça va être bien. Voilà. Heureusement j'ai pris l'hydraco là quand même. Hein. Je pense que ça va bien être utile. Yes. Ah ouf. C'est là. Va monter le rayon. Bah du coup. On va aller friter papa. 365 PV. Je sais pas ce que je peux acheter, pas grand chose. Mais. Je vais mettre l'attaque. Et puis, on va aller voir ce qui m'attend. C'est vrai que ça fait moins de pognon quand je fais pas toutes les salles, mais en même temps, je me prends moins de dégâts. Donc, l'un dans l'autre. Coucou, Choco Pirate! Comment ça va chez toi? Vu l'heure, j'imagine que soit tu as déjà mangé, soit tu vas manger, dans quel cas, bah, bon appétit, ou alors j'espère que c'était bon. Oublie pas d'où ça, oui, merci Azélia, merci de le rappeler, je vais y arriver. C'est pas possible. Non, j'ai pas oublié de modifier les conditions du pacte des châtiments, elles sont toujours en vigueur. Je veux être fort comme toi et même plus. Non pas que j'ai l'intention de devenir comme toi, ou quoi que ce soit, bien sûr. On va voir. Hein. Wow, papa, il est en colère! Fou! Hmm.
Mais j'ai l'impression qu'il y avait un truc qui a changé par rapport au crâne. Dans ce truc. Après, c'est peut-être... On va juste se concentrer sur pas se faire frapper, ça sera bien. Puis pas se prendre des crânes, parce que forcément... Ok... Ah non, il me manque des hémolites. J'allais dire c'était quoi ces machins qui passaient, mais en fait je crois que c'était mes effets électriques en fait sur l'attaque. Il me semble. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de laisser les crânes chargés pour voir ce que ça va donner. Donc là il en fait deux d'affilée, ok. Ah, j'ai une petite bombe qui traîne. Petite bombinette. C'est moi ou ils font plus mal que d'habitude hein. Alors... Ouais, il y a eu le cristal de ses morts. C'est quoi ce bordel? Regardez, moi aussi j'ai un rayon pour jouer avec vous. Ok. Je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse hein, par rapport à cela. Donc... On va juste essayer de pas trop crever, dit-elle. Pense à ton combat plus que nouveauté. Oui, mais c'est difficile parce que pour battre les nouveautés, il faut que je sache ce qu'elles font, non? En vrai, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Ça va me prendre du temps à mon avis sur celui-là, à peu près autant que pour l'avoir eu à l'origine. Ouais, il se téléporte, ok. Où sont mes hémolites? Ah bah je les ai. Il frappe plus fort quand même, j'ai l'impression. Mais c'est surtout qu'avec ses conneries, en fait, je m'occupe pas de lui, quoi. Mais je sais pas si je suis censée m'occuper de lui en premier ou de ça en premier. Donc je sais pas trop. Oui, t'es censée être là, ma grande. Désolée, Doussa. Dommage collatéral. Comment ça, useless? Oh non, oh non. Ouais non mais là non quoi. S'il ramène des gorgones, je veux pas dire, mais je suis morte. Regardez-moi ces gros cailloux qu'elle lance là, ces saloperies. Elle me nargue. Elle me nargue. Truc qui n'explose pas. Bon.
Honnêtement, je sais pas comment je vais arriver à le battre, ce truc, hein. Mais il y en a encore ? Putain, mais c'est pas vrai. Je sais pas si je vais jouer souvent avec les mesures d'urgence sur lui, hein. Parce que je voudrais bien finir une run à l'occasion. Non, mais ça passera pas. Ça passera pas. Je me fais aucune illusion. À 45 PV... Ouais. S'il n'y a pas de surprise sur la P2, ça va, quoi. Comme dira Dionysos, mais... Mais si on a une... Il y a un truc qui m'a renvoyé, j'ai l'impression. Christo qui était juste là, quoi. Ah, je suis pas au bon endroit. Ok. Il me reste 5 points de vie. Ah, merde. Ouais, je sens bien une P3 aussi, mais là, là voilà quoi. Mesure d'urgence, SR va rendre le jeu plus difficile, je crois, c'est tout simplement ça. Ouais, Eve, ben, faut pas attendre à ce que je le batte tout de suite avec les mesures d'urgence, hein, ça va prendre du temps. Genre, à mon avis, ça va prendre 20 tentatives d'évasion. Ah, maman, elle est contente que je drague tout ça, c'est cool. Voilà, vous allez... ok, prévoyez-vous une macro parce que vous allez dire dommage souvent, quoi. Plus difficile du coup, nouvelle récompense, ouais. J'espère, parce que si c'est juste du sang de titan... Voilà, quoi. Ah, c'est pas du tout, ouais. Ah, je suis fort comme papa, mais en plus je suis gentil, contrairement à papa. D'où ça qui m'encourage, c'est trop mignon. Ouais, c'est presque mission impossible, là. Mais bon. Presque tout le monde dans la maison croit en vous, même le courtier misérable et le chef cuisinier. Je suis flattée. Je suis flattée. Ouais, c'est ça. Je me pose la même question, Choco Pirate. Azela, on a droit à quoi comme récompense? Je veux dire, c'est pareil, c'est du sang de titan ou... C'est un peu plus bandant que ça, quand même. Ok. Ah, j'ai déjà parlé. Nick, ça me raconte quoi? Nonsense, child. Our records must be kept up. Je me suis juste rendu compte que certains registres étaient plus conformes. Ouais, ouais. Ouais. Ooh. Hypnose give you any good pointers lately? Comment ça, hypnose me donne de bons conseils? Je crois que c'est que du sang de titan. Ouais, donc en fait. Quoi, c'est tout? Tu me dis rien de plus, Meg? Bon. I come to you bearing aquatic beasts. Always a pleasure. 45 gemmes. Yes. Combien il me reste de nectar, moi? 6, ouais, ça va. Ça va, je pense que là, il n'y a rien. Papa, il est pas rentré. Il rentre à pied, tranquille. Mais le combat est épique. Ouais. Ouais. Bah, c'est reparti pour une troisième, hein. Si je vais au point, je pense que je vais crever, mais pourquoi pas. Mais si je vais au point, je peux pas utiliser les mesures d'urgence. Enfin, pas la quatrième. Enfin, ça sera un petit peu beaucoup. Est-ce que je refais une run au gun encore? Ou est-ce que je fais au glaive?
la lance inutilisée que je réutiliserai plus jamais. Je change peut-être d'objectif histoire de changer les idées. Ouais, mais en même temps, justement, c'est un objectif que j'ai envie de réaliser. Donc, si je l'essaye qu'une fois tous les 36 du mois, ben, je vais perdre les... Ouais. Je sais pas. To accompany me? De toute façon, il me faut avoir, en même temps, il me faut du sang de titan pour pouvoir ensuite augmenter ça sur le glaive et buter Thanos. C'est pas faux. You're not mere weapon, are you? Parce que je refais une run avec l'aspect d'Arthur. Bon allez, vous savez quoi. On va se faire ça. Je vais partir ce dieu Athéna sur ce coup-là. En même temps, je pourrais le garder comme ça. Refais une run, ça me laisse du temps et ça te laisse pas sur une frustration. Mais de toute façon, ben voilà. Je sais pas. Faudra bien que je le fasse un jour ou l'autre, hein. J'ai quand même envie de réessayer sur les mesures d'urgence, même si j'y arrive pas, c'est pas grave. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout, j'hésite. Ou alors, non, je bourre à fond sur le canon jusqu'à ce que j'y arrive, pourquoi pas. Parce que le canon, il est bien, donc... Non, ouais, je vais faire ça. Ça me motive quand même, donc. Pardon. Même si j'y arrive pas, ce sera pas grave. Ça va pas me frustrer tant que ça. Bah, moi, j'ai surtout peur que... Maintenant que j'ai découvert, je vais vouloir le faire, forcément. Et si j'arrête pas de changer d'arme, ben, je vais pas garder les réflexes, on va dire. Mince, maintenant, du coup, je voulais pas prendre Athéna. Je suis bête, moi. Attendez. Je vais reprendre le canon, mais je veux pas garder cet objet. Je vais reprendre Zeus, j'avais dit. Voilà. Zeus, c'est quoi, c'est celui-là, hein. Peut-être essayer d'avoir quand même des bienfaits un peu plus fifou, je sais pas. Let's see what happens. Là, par contre, le truc sur les... Hadès en mesure d'urgence avec les espèces de cristaux dégueulasses, là, le lancer de Zeus, c'est cool. Qui rebondit bien. Avec supraconductivité, ce serait vraiment bien. Frappe foudroyant, bah voilà. Shocking. Shocking. Pff, lol. Là, on va repartir comme ça. On va juste éviter de faire le con sur Thésée. Ouh, ça en fait du bruit, là. Je suis bien au canon, hein. Ouais. Je suis bien au piou-piou. Ouah, une magnifique clé. Ouah. C'est trop cool. Et du pognon. Ouah. Ah oui, bah oui, je sais pourquoi j'ai moins de pognon que d'habitude. C'est parce que je... J'ai changé le truc sur le miroir. J'ai pris le toucher de Midas. Je sais pour ça... Voilà. Peu de tunasse. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Du nectar ou des obsidianes? On prend des obsidianes. Hein. J'ai pu regarder, mais à Zeus, je crois que j'étais au maximum. Hein. Ouais, voilà, les dégalites avec le lancer, ça devrait le faire. Ah, K.O., je suis pas allé le voir depuis un moment. Faudrait que j'aille le voir après, quand j'ai fini. Ah, mais il y a un marteau! Bah non, on va prendre le marteau, forcément. Forcément. Bon bah tant pis. Et... Ah bah voilà. J'espère que ce sera... On tentera ensuite... Erab. Bon, vous me saoulez, vous, hein. Elle est où la dernière? Elle est là. Mais... Je suis vraiment pas visée.
Alors, rayon concentré, rayon triple, brasier infernal. On va reprendre celui-là. Ok. Cuisson finie, un nouveau plat prêt. Bon, mais c'est plus un brunch, ça c'est un super repas de luxe. Bon. On va quand même aller là. Ouais, j'imagine que du coup vous allez pouvoir manger en vous divertissant devant la run du cirque. Hein. Allez, faut que je me concentre un peu histoire de pas trop merdouiller. Oh putain. Il en reste beaucoup. Non, ça va. Ouf, heureusement que les chars m'ont pas touché. Oh, un petit cœur, ça c'est cool. 50 PV, je dis pas non. Arès, une grenade ou Caron. Prendre la grenade parce que Arès, je suis moyennement en vie. Oh, quoique. Ouais, allez, quoique. J'ai pas des masses de bienfaits à ce stade, donc on va en profiter. Ah, c'est le sneak. Ah, presque. Presque, presque. Si je pouvais récupérer mes trucs, ce serait bien. Mais le bâtard! Ce vieux bâtard, là! Je déteste ce truc. On se demande pourquoi. Il reste encore deux trucs à faire, j'ai plein de petits plats pour choisir ce qu'on veut dans le brunch. Ouh! J'ai oublié de lui filer un cadeau, tant pis. Sort d'agonie... Mmh. Ah voilà, sort d'agonie, c'est pas mal ça. Ça, je veux bien. Allez, go. La guerre est déclarée. Ouais, d'abord. Je vais me faire mal à la gorge, moi, à force de parler comme ça. Ouh! Il torche bien le lancer de Zeus, ça n'y a pas à dire. La la la. Ah voilà. Je vais me refaire des petits points de vie. Un peu de thunes. Et je crois pas qu'il y avait autre chose. Hein. Non, c'est bon. Il y a du tiramisu. Ah! Photo sur le Discord. Oh, bah je regarderai après, hein, forcément. Tu arrives à les péter, ces bombes? C'est pas vrai! On va y arriver, hein. Voilà. Là, elle a pété. Alors, toi, tu vas aller mourir. Et puis, vous aussi. Oh, purée. Le bruit des gemmes, j'ai cru que c'était un poisson, en fait. C'est pas encore dessus, mais ça sera bientôt. Oh. Ça, ça me donnera bien faim pour juste avant de manger mes toasts au saumon, là. Bon, en vrai, je déconne. Enfin, je déconne, non, mais... J'aime bien les toasts au saumon. C'est un de mes trucs favoris. C'est simple. J'ai pas prise de tasse. Ah, je l'avais pas fini, lui. Ok. Oh là là, la dalle. Ouais, je fais cette run et après je vais aller bouffer parce que j'en peux plus. C'est comme on parle de nourriture depuis 2 heures là. Forcément, ça aide pas. En plus, alors, du coup, comme je sais pas ce que c'est le brunch, ben je m'imagine. Donc je commence à me poser des questions sur qu'est-ce que c'est. J'imagine plein de plats et c'est... Ah. Bon. Allez, on rince. Voilà. Oh, mais il y a une bombinette hein, qui traîne, là. Allez, les crânes. Venez mourir. Dit-elle en se bouffant les pointes. Comme d'hab.
Un jour, j'arrêterai de marcher dans les pointes. Saumon d'Écosse ou de Norvège d'Écosse, il me semble. Après, c'est des trucs du supermarché, hein, sous blister, donc... non, ça va, j'ai pas encore besoin de reprendre de la life. Il me manque pas assez. Ah, voilà. Aujourd'hui, c'est la run des cœurs. Bah, j'ai bien fait de pas dépenser du pognon, hein. J'ai bien fait. Charon ou Artemis? Bah tiens, Artemis. Bon, du Luffy, un cadeau. Troisième édition. Yeah! Soutien, soutien, soutien. Bah voilà! Ça commence un peu mieux qu'avant. J'ai rien dit. J'ai rien dit! Mégère est faible, elle a aussi mauvais goût. Hé! Hey Mégère, moi si j'étais toi, tu vois là pour la peine, je l'aiderais pas dans le combat. Hein? Enfin, si tu veux une petite gâterie, t'as intérêt à pas l'aider. Oups! Ah non, non, pas dans le bon sens. Pas le bon sens. Viens là! Viens là, les molites! Oui, j'ai remarqué que t'étais enragé. J'ai remarqué. Ah, j'ai esquivé et les pointes et Tisiphone. Ça, c'est une première. Elle est où, la miss? Elle est là. J'ai rien dit. Bon. Je pense que bientôt il va y avoir de la brume partout. Ah voilà. Ah, j'ai rien sur l'élan, ouais. Je me disais, je fais pas autant de dégâts que d'habitude. Enfin, quand je cours, quoi. Je pense que je vais claquer un refus de la mort là-dessus. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je laisse des bombes un peu partout, ça pourrait être cool. J'ai vraiment du mal sur Alecto, hein. Par contre, si sa Beyblade peut déclencher mes bombes, ça c'est pas mal. Ah non, pas cramé de reçu de la mort. La truite de fumée, c'est une très bonne alternative au saumon. Ah ouais, ça c'est vrai. En plus, ça y ressemble. Ça a même couleur de loin, on dirait du saumon. Dan qui attend les photos de Chuba en bavant. Mais oui, mais pareil. Mais pareil. Ah bah voilà. Petite âme de centaure. Ça, c'est du pognon bien dépensé. Du coup, j'ai quoi? J'ai le lancé Zeus, j'ai Artemis. Je vais quand même reprendre Artemis déjà pour monter son objet. Ça pourrait être pas mal, ça. Ouais, allez, on va y arriver à la surface un jour. Tout ça pour mourir bêtement à la fin. Comme d'habitude. J'ai pas fait gaffe si j'ai peut-être raté des poissons, mais j'ai pas fait gaffe. Ah oui, pour ceux qui étaient pas là en tout début de stream, j'ai mis un plugin pour avoir des sous-titres. Donc s'il y a besoin... Ben, s'il y a besoin, voilà. Vous pouvez les avoir. Mais vous m'embêtez, vous? Mais vous m'embêtez? Arrêtez de me taper, mais les méchants.
Méchant monstre. L'élan, ça manque, hein. Ah, ce crâne là qui m'a foncé dessus. Ah voilà. On va monter un petit peu le soutien. Ça, ça peut être bien. Et je vais juste voir si j'ai rien oublié. Il y a quoi, Artemis, de la thune. Ah c'est ça. Ok, ouais, mais je veux pas vendre. Je ne veux point vendre. Donc on va aller chercher Artemis. Son machin à tête chercheuse, je le veux bien là. Je dirais pas non. Spreaders. Spreaders. Hmm. Bon, s'il y en a que quelques-unes, ça va. Come die again. Oh là, comme j'ai marché dans la lave. Tranquille. Bon, il était pas trop long celui-là. Ah, je peux plus rien lui offrir à elle. Mince, je suis au max, ouais. Olympus, I accept this message. Je suis au max. Paratonnerre, bah voilà, ça c'est cool. C'est parfait. Des clés ou des gemmes? On va reprendre des gemmes. Bon, allez. C'est vrai que là, pour le coup, les clés, à part pour acheter du nectar... Mais je pense que vers la fin, je vais être réduite à acheter des clés pour acheter du nectar, pour acheter d'autres machins. Et ça sera très fun. Ouh, Ireb. On verra ce qu'il y a à la sortie, mais je le tenterai peut-être. Peut-être. Ah. J'ai pas vu qu'il avait largué une bombe. Viens là. Non, tu veux pas? Il est où? Il est où? Petit, petit, petit. Il y en a. Not now. Voilà. Hey, il y a tellement de fumée, je vois nouveau plus grand chose. Je viens dès lors. Ah non, un peu trop tôt. Il y en a encore un autre, il me semble, hein. Ou il y a que celui-là qui reste. Non, non, il y a encore l'autre. Ah ouais, voilà, je me disais bien. Qui devait être debout dans la lave, vu qu'il est mort tout seul. Je veux pas dire non. J'avais dit, je vais juste regarder ce que c'est, les récompenses à la sortie. Déméter et Charon. Ouais, je vais quand même tenter ça. Je vais tenter, on verra bien. C'est Ireb, y a pas de lave. Where do you think you're going? They won't harm a hair on my head. Ok, va falloir que je fasse gaffe. Vraiment falloir que je fasse gaffe là. Faut que je chope le cristal. Ouh, ça va être chaud. Ça va être chaud pour pas prendre de dommages. Encore que... Ah non! Ah non! C'est un petit truc fait en 2h, 2h30, pas grand chose. Ouais, le petit déj qu'on fait tout le temps, quoi. Bah ouais. Non, vas-y, continue de discuter. C'est vrai, il est marrant, j'aime bien Hermès. Tir fulgurant, précipitation, esquive maximum. Le tir fulgurant, c'est pas mal pour ce coup-là. Et du coup, j'ai quoi? Ouh, Zeus, Artemis! Ouh! Je me les tente. Ouais, allez. Je me les tente. Ah, ça va. Sur ce terrain, ça va. Vengeance céleste, technique foudroyante. Ah, technique, ouais, ça c'est cool. Hein. J'ai encore rien sur la technique, il me semble. Enfin, rien de remplaçable. C'est très... Tu commences à me courir. Elle a le seum, hein. Ouais, là, par contre, les hydrons, c'est pas génial, hein. Mais heureusement que j'ai de la foudre.
J'espère juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah mince, j'ai plus de... Si j'arrêtais de me faire toucher à chaque fois, ce serait bien. J'ai quand même pas crevé là-dessus, ce serait ignoble. Ce serait nul de mourir là-dessus. Ah ouf, ça va. Je suis encore là. Ouais, je suis toujours là. Marque de chasseur, tir de soutien. Ça, c'est cool. Ça, je voulais. Alors, Eurydice. Ah, Eurydice. Ah, zut, j'ai oublié le bassin. J'aurais dû passer dans... Bon, tant pis. Là, par contre, j'ai peut-être crevé la fois suivante. Sauf s'il y a une fontaine ou du caron. Ou... Remarquez, en même temps, c'est pas parce qu'il y avait un bassin qu'il y aurait eu de quoi me soigner. Mais bon. Elle se sent spéciale parce qu'elle est morte. Ouais. Mmh. Ah, je sais pas si Eurydice, est-ce que c'était une nymphe qui traînait avec Artemis? Je sais pas du tout. Non, on traîne pas tous ensemble. Les Dryades, les Naïades, les Néréides, les Océanides, ah ouais. Tous les types de terrains qu'on trouve là-haut, ouais. Elle, c'est quoi? C'est plus une Dryade, hein, vu sa tête. Alors, on prend ça. Tir fulgurant et tir foudroyant, ok. Bon. Ben, le tir va être très performant sur ce coup-là. Ouais, yes, Caron, yes. Dis-moi qu'il a un sandwich, dites-moi qu'il a un sandwich, par pitié. Yes. Ce sera pas génialissime, mais c'est toujours ça. Bon, ben, en vrai, on va aller tenter l'hydre. Hein. Y a pas de petit truc, je suis sûre que Tadulciné va adorer. Ah bah, ben, je suis sûre aussi, et on veut voir les photos. Hein. Là, maintenant, on veut voir les photos. Ah, ce sera incontournable. S'il n'y a pas de photos sur le Discord quand j'ai fini le stream, ça va pas le faire. Voilà, voilà pourquoi j'aime bien le petit tir de soutien d'Artemis, là. J'ai toujours rien sur les lampes, hein, mais c'est pas vrai. Ouais, je pense que je risque de claquer un refus sur ce coup-là. Hein. Non, je sais pas. Peut-être pas, à voir. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. Y'a combien d'hydres là-dedans? Ah! Ok. Voilà l'hernie. J'attends les autres têtes. Mouais. Ok, rends-moi mes hémolites, ça c'est bien. J'en ai éliminé combien? 2. Ah, j'ai plus d'hémolites, zut. L'appel, je vais pas l'utiliser maintenant. J'attends d'avoir rincé la dernière tête. Genre maintenant. Voilà. Je confirme, c'est pas un petit truc. Il y a plus de place sur une petite table. On va bruncher plusieurs jours. Ouais, c'est fini. Vous allez pouvoir manger. Yay. Bon. Moitié de la run. Moitié de la run de fête. Je vais récupérer le gland. Voilà, point de flèche, elle est quasi au max. Je sais pas ce que ça me fait si je monte les objets au max, mais j'imagine que c'est pas mal. Allez. Par mesure de sûreté, je vais quand même monter au max de points de vie. Je vous laisse, il paraît qu'il y a un buffet. J'espère arriver avant la fin. Bon après-midi à tous. Eh bien, bon après-midi à toi, Choco Pirate. Merci d'être passé. Et puis, bah moi, de toute façon, pareil, après cette run, je vais tout doucement arrêter, je pense. Je sais pas encore qui je vais raid, mais je trouverai bien. Ah, marteau. Marteau, marteau. En vrai, faut que j'aille pisser depuis tout à l'heure, mais j'ai pas envie.
Je sais, je suis bizarre. Ouh, ça a bien pété là. Ah, il me court après, il me fonce dessus. Il explose tout seul aussi. Je pense qu'il a dû se prendre une flèche en fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il reste? Ouh! Il reste un comme ça. Et un autre char. Ah bah dis donc. Je suis gâtée. Ah, mais Zemolite. Ah bah non, c'est bon, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Hein. Alors, système de visée, rayon concentré, triple bombardement. Bah, rayon concentré, il est sympa, donc je vais le reprendre. En vrai, ils sont tous sympas. Ouais, 75 gemmes. 60 pour 75 gemmes, franchement, j'ai la flemme. Hein. Maximum 75, donc. Ouh! J'ai échappé aux lances, juste à temps. On va essayer de pas se faire buter. C'est quoi ce rayon qui était juste à la mauvaise portée? Merci Artemis, merci pour le tir de soutien. J'espère trouver supraconductivité, ça serait vachement cool. Pas de me viser toi. Voilà. Hey, non, il y en a encore. Ouais. Ouf. Bon, ben, on va rincer le papillon, hein. Ah. Bon, toi, tu vas crever. Voilà. Et je pense que lui, en vrai, c'est le dernier, hein. La photo est publiée, yes! Ah, ça va être cool, allez voir ça. Œil de Lamia, est-ce que je prends de l'œil de Lamia? Ah ouais, je suis pété de thunes, là. Allez, go. Go, l'œil de Lamia. Bah oui, je vais encore être pété de thunes, hein, parti comme ça. Qui c'est qui a fait ho ho ho? Je crois que c'est eux. Je crois que c'est eux qui ricanent. Rien que pour ça, je vais les buter. Allez. J'aime bien le anytime. C'est quand tu veux, hein. C'est quand tu veux le canon. Tu recharges, hein. Ah, l'humour dans ce jeu. J'aime bien comme il me dit que oui, oui, le mec il essaye de respawn. J'avais pas compris tout seul. Ah, j'ai touché personne, zut. Tapis. Oh oui, des sandwichs. Merci pour le sandwich. Ça, c'était très bienvenu. Ça a un peu piqué. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Bah, il y a vraiment rien à récupérer, là. Donc, quoi, Caron ou Artemis. Est-ce que je me le tente, ici? C'est peut-être Astérion. Oh non, bon tant pis. Ah, un amalgame, d'accord, voilà, je me rappelle enfin le nom. The Mother of All Soul Catchers, effectivement. Ah, elle est cool cette musique. Elle est très très cool. C'est pas vraiment ça que je voulais toucher, mais je pense que je risque de canner si je fais pas gaffe sur ce coup. Ce sera juste à cause des archers, hein. Non, you don't. Ouh, voilà. Ouh, ils sont où mes émolites? Ils sont là. I can't. Explose! Yes! Ah, voilà.
Voilà, voilà, merci Artemis. Merci cousine. Enfin, je pense que c'est cousine. Je vous avoue que je sais jamais. C'est quoi, ça a marché, ça? Ouais. Et maintenant, ce n'est plus rien. Ouh, que des pics, marque du chasseur, plaie ouverte et persécuire. Plaie ouverte, ça, ça va être cool. Persécuire, il est bien aussi. Prendre ça. Sur ce lancer, ça va être assez sympa. Par contre, là, il me faut des sandwichs. Ça sent le char follet. Ça sent le char follet. Est-ce que je vais arriver à pas me faire péter à la face? Ah, au moins il largue des sandwichs, ça c'est bien. Là je dis pas c'est bien. Est-ce qu'il y en a... Ouais, il y en a encore un. Explose! J'ai été touché ou pas? Chut. Ah, je suis pas arrivée à voir. Ah, ils sont où mes hémolytes? Reviens là. Reviens là. Mais ils sont où les autres? Ils sont où mes hémolytes? Oh le bâtard. Le bâtard, où est-ce qu'il est allé se coincer? Sérieux quoi. J'espère qu'il y a de quoi soigner là-dedans. Ouais, super. Super, super. C'était quoi les autres? Tesson stygien et... Mouais. Mouais, mouais, mouais. Bon. On va se récupérer un cœur de centaure. Oh, 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 on se calme là. Non mais oh. C'est quoi comme ça cette attaque? On me fonce dessus sans prévenir? Non mais... Hein? On va pouvoir se calmer un peu là les enfants. Il y en a encore un là, ok. Ah! Cette portée de tir! Ok. Je crois que j'ai réussi à en avoir eu. Ouais, j'en ai déjà eu un. C'est cool. Bon, et après, on va voir comment ça se passe sur papa, hein. Non, non, tu te réarmes pas, merci. Ah, zut. J'ai mis trop de temps. J'avais mis beaucoup trop de temps. Bon, 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 bon. Alors, c'est quoi, des obsidiennes et des clés? On va prendre les obsidiennes, hein. Ça me fera un petit peu de life. À défaut d'autre chose. Ah là là, comme il s'excite le pauvre Zagreus. J'ai pas un hémolyte qui traîne encore? Là. Je me disais bien. Ok. On va récupérer nos cochons de thé. Comment que j'arrive pas à esquiver les tirs des archers, c'est hallucinant quand même. Il y en a un au fond là qui m'emmerde. Donc... Voilà, un de moins. Et Artemis, elle va aller m'aider un petit peu. Pas beaucoup, mais un peu. Ah non, ils sont pas finis. Il y a encore un débile avec une lance.
Le petit tir de soutien, là, l'air de rien, hein. Ouh, me casser de là. Pouf, bon ben ça je peux pas, j'ai pas 15 ans, donc c'est quoi la suite? Ah non, je vais quand même aller chez Patrocle. Ça s'impose un peu là. Alors est-ce que Achille est là ou pas? Oui, il parle tout seul. Non, il parle tout seul. Ouais, file-moi ton Hydracola Premium là. Déméter, Caron. Je vais aller chez Caron quand même. Ah! Ouais. J'ai entendu un bruit de poisson, c'est moi? Ah, voilà. Je me disais bien. Un peu de pêche, tranquillou. Doudoudou. Sans se presser. Allez. Une chalourde, ouais. Bon, par contre, c'est pas cool, je suis pas en max... Enfin, je suis quasiment en max life. Bon, ça pourrait être pire. Je vais récupérer encore du Artemis, tant qu'à faire. Marque du chasseur, mort propre et point de pression. Ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. On va peut-être prendre celui-là. Allez. Et on va essayer d'aller se débarrasser de nos deux crétins. Affirme notre grandeur et combattons avec détermination. Tu sais quoi, Thésée va mourir. Ah ouais, d'accord, tu commences comme ça, toi. D'accord. Bah, tu sais quoi, moi aussi je... Ah non, mais j'utilise le gland beaucoup trop vite, là, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Cassos. Ah, ah, arrête de me courir après. J'ai peur, maman. D'accord. Ah, j'ai déjà perdu la protection du gland, ça c'est pas génial. Ah! Ouais, ok. Je suis trop près de lui en fait. Non, j'arrive vraiment pas à éviter son truc là. Allez donc. Je me suis déjà connu un peu meilleur sur ces deux là. Bon, Thésée, casse-toi. Voilà, merci Artemis. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, Rage. Ah! Ouais, revenez ici, c'est bien. Il a fini? Ok, super. Asterion, il a fini de... Je vois pas où je vais, c'est horrible. Il y a trop de trucs sur ce terrain. Bon, moi, je vais claquer un refus de la mort, comme ça ce sera fait. Asterion. Voilà, ça c'est fait. Bon, en vrai, je suis assez moyennement concentré. Hein. Je pense que, ouais, ça c'est vraiment la dernière run que je fais aujourd'hui, parce que après... Ah, c'est Thésée qui a tous mes trucs, d'accord. Pourquoi il rigole? Pourquoi il rigole?
Ah non, j'aurais pas dû le prendre Mano Artemis. Ah non, non, j'ai pas vu qu'il était aussi bas en life. Ah. Je joue vraiment comme un pied, hein, je veux pas dire, mais... J'ai pas vu qui c'était là, c'est Athéna. Hein. Ah oui, merde, elle lui fait des boucliers, c'est vrai. Ok, rends-moi mes hémolites, merci. Aïe! Pique! Ça pique! Ça pique très fort! Ouh, bon, j'ai plus qu'à trouver un baiser du Styx maintenant. Et on verra. On verra pour la fin. Je suis pas très... J'ai pas beaucoup d'espoir, mais c'est pas grave. Je vais dire au revoir à ma petite ombre favorite, hein, celle qui m'encourage à chaque fois, on se demande pourquoi. Je me demande si un jour on sait ce que c'est cette ombre. Ah bah voilà, parfait. On va prendre la dent hein, quand même. Sinon, prochaine fois, j'essaye de le faire au glaive avec peut-être Déméter Athéna de nouveau. A voir. A voir, à voir. Ah, une équipe pique. Pognon, pognon. Non, pas de pognon. Ah ouais, c'est du pognon. Je suis riche. Enfin, presque. Un jour, j'aurais de quoi acheter le sang de titan ici, mais pas aujourd'hui. I'll pay for that. 310 points de vie, ça va. Pas de poisson. J'ai pas entendu le petit bruit, donc je pense que non. Non. Bon. On va voir ce qu'il y a là. Ah bah déjà celui-là on prendra pas. Donc on a Athéna, Hermès et... la grenade. Je vais commencer par la grenade et je prendrai Athéna ensuite. Ah! Quoi? Déjà? Non mais où là? C'est quoi ce terrain? Comment qu'il commence là? Ok? Ça va là, calme? Ouh. J'ai rien sur l'élan, bordel! C'est pour ça que ça fait aucun dommage. Mais j'arrive pas à atteindre cette putain de fontaine de mes couilles là! Voilà! Ah ouais, je me plantais de boutons aussi. C'est vrai que ça aide pas. Ouais, ok. Je le sens carrément mal hein. Je peux avoir mes émolites? Merci! Ok, j'ai perdu une life quasiment juste sur cette salle. Je veux pas dire, mais voilà. Non mais en vrai, sans rien sur l'élan, c'est pénible. Quand je sors, j'irai voir ce qu'il propose à l'achat, on va dire, parce que là... Et là, il y a trop de poison qui traîne. Genre, il y a vraiment trop de poison qui traîne. Allez. Oh purée, 2 points de vie, je vais perdre un refus de la mort. C'est obligé. Surtout qu'il y a que des rats, il y a que du poison dans ces salles. C'est... Trouver un truc pour me soigner là, ce serait bien, non? Croyez que le sac de satyre il est dans cette salle? Ah bah bien sûr que non. Oh non. Non.
Bon, il va falloir que je fasse au lancer. Ah, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud de chez chaud ici. Il y a des bombes, bah ouais non. Ah. Bon, ben j'ai... Voilà. Ça je m'y attendais. Je sais pas comment j'ai tenu aussi longtemps d'ailleurs sans me faire toucher par du poison. C'est dommage que j'ai des bienfaits sympas, mais c'est rien sur l'élan. J'ai tenu toute la run avec rien sur l'élan quand même. C'est assez difficile à croire. Vous augmentez un petit peu la technique. Et j'ai récupéré le pognon parce que je crois que j'ai pas tout pris. Ah si, bon. Petite émolite qui revient tranquille. Ok, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Élan imméché, bah écoutez, on va prendre ça. Hein. Azriel, Askanbi, en tout cas GG pour toutes ces esquives, bah merci. Et puis bienvenue ici parce que je crois que je ne t'ai jamais vu sur le stream, donc bienvenue. Je suis pas forcément hyper douée dans le jeu, mais je fais de mon mieux, donc... Voilà, j'étais pas super bien partie, je me suis rendu compte là, la salle précédente, que j'avais rien sur l'élan depuis le début de la run. Voilà, c'était un petit peu nul. Tu viens d'arriver, ok ouais. Est-ce que t'es, si je peux te demander, t'es tombé sur le stream par hasard, juste sur Twitch, ou bien est-ce que tu viens de chez un autre streamer, un Discord sur lequel on serait peut-être en commun, et là du coup t'as vu mon lien là-bas? Juste par curiosité, hein, c'est pas... Ah, j'essaye de pas trop me faire descendre avec le poison, mais c'est pas évident. C'est pour ça que j'aime bien l'élan de Dionysos ou les trucs comme ça. Sur eux, c'est... Ouais, je vous en remets un dans la face. Vous voulez que ça pique? Ça a piqué aussi. Ok. Voilà, je vais juste voir ce qu'il y a là-dedans. Petit baiser du Styx. Bien sûr que non. C'est pas grave. On va faire avec. Si j'arrêtais de lander là et puis de bailler au corneille, ce serait cool. Ouf, esquivé de justesse celle-là. Alors je regardais ce qu'il y avait sur Twitch autour d'Hadès, j'ai jamais joué au jeu, alors je voulais voir un peu ce que ça donnait. Je suis la seule Oh, je suis la seule francophone à l'instant. Bah écoute, c'est bizarre. D'habitude, il y a d'autres gens qui jouent à Hadès à cette heure-là, mais... Bon. Alors par contre, ouais, comme t'as jamais joué au jeu, juste pour que tu saches... Ouais, c'est vrai qu'on est dimanche, mais je sais pas, d'habitude je fais des raids vers cette heure-là, ou enfin entre 13h45 et 14h15. Il y a souvent comme quelqu'un qui joue à Hades. Donc oui, par contre, juste comme tu dis que t'as jamais joué au jeu, je suis pas hyper douée, mais je suis quand même relativement avancée dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins deux grandes fins. Oh bah merci. Merci pour le follow. Donc c'est que je dois pas être si nulle que ça si tu me follow, ça peut être cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que là en fait, si tu veux, sur les deux moitiés du jeu, j'ai fini la première moitié. Donc vu que au début je suis censée m'évader des enfers, et là après, une fois que t'as fini la première moitié du jeu, ton but il devient un peu différent. Là mon but maintenant c'est d'arriver à la surface, toujours donc de m'évader, mais de faire en même temps un pote avec les dieux de l'Olympe dans un cadre de mission un peu plus diplomatique, on va dire. Donc ouais, c'est ça.
Donc évidemment, il y a certains trucs que j'ai déjà débloqués, des certaines armes qui sont différentes, des choses comme ça. Donc juste que tu saches qu'il risque d'y avoir des côtés un peu spoil. Donc je préfère te prévenir un peu. Donc là, par exemple, maintenant que j'ai trouvé le sac de satyre, ben je vais affronter le dernier boss du jeu. Donc juste que tu saches. Le dernier boss, je suis pas sûre d'arriver à le vaincre parce que j'ai activé une difficulté supplémentaire, donc il a des attaques en plus, des sbires en plus qui viennent l'aider, ce genre de choses. Je découvre ça aujourd'hui, pour l'instant ça s'est pas très bien passé, mais qui sait, peut-être que ça marchera. Je sais toujours pas ce que je vais prendre ici, moi. J'aurais bien aimé son truc qui fait des... ouais... J'aurais bien aimé plutôt... Parce que Athéna, elle peut renvoyer... Hein, elle peut... Ah, je vais y arriver. Elle peut redonner un refus de la mort, mais... Je n'aurais pas ça, hélas. Donc j'ai que 3 life, en fait. On va faire avec. Ouais, bah je vais pas pouvoir tout prendre. Ben, je vais prendre un Poséidon. Allez. Pression hydraulique, trésor englouti. Ouais. Bon... J'ai l'appel d'Artémis, donc on a la jauge qui se remplit un peu plus, ça peut être sympa. Voilà. Allez, je vais soudoyer Cerber pour qu'il me laisse passer, parce que j'ai vraiment pas envie de le poutrer. Ça, j'aime bien que le jeu a fait ça, on n'est pas obligé de poutrer Cerber, sachant que... Cerber, mais en fait, c'est mon chien-chien, c'est mon good boy, j'ai grandi avec. On s'est connus, il était tout chiot, et puis moi aussi. Donc c'est ça, si je suis contente de ne pas avoir à poutrer Cerber, ça m'aura vraiment fait mal. Bon, ce que je vais faire, je vais finir cette run et après je vais faire un raid. Je verrai. S'il y a quelqu'un d'autre qui fait du Hades, je vous emmène faire du Hades. Alors. Ah bon, lui, il a pas grand chose à me dire cette fois. Il est un peu sauvage, papa. Hein. Oui, parce que je pense que voilà, c'est absolument évident. Le boss final, c'est Hadès, dieu des morts, hein, forcément. C'est marqué à l'écran en plus. Il frappe fort en difficulté supplémentaire. Hein. Ah ouais, il frappe fort. Je vais essayer de pas me faire crever trop vite. Mais Bon, c'est vrai que j'ai un peu de poison pour le coup. Ça va peut-être m'aider, mais bon. Puis j'ai Artémis qui envoie des petites flèches à tête chercheuse là pour m'aider. Ah ! On aurait pas dû rester là. Bon ben. Non ! Il a pété son invulnérabilité, ce bâtard ! Alors, ce truc là, cette espèce de gros cristal qui se promène. Ça va être un peu chaud. Parce qu'il balance des rayons et franchement c'est assez chaud à esquiver. Donc on va essayer d'éliminer les petits cristaux qui sont là. Vu que cela le renforce, si j'ai bien tout compris. Oh, des sandwichs, merci. Merci pour les sandwichs. Je sais pas qui c'est qui me les a largués ici, mais... Bon, j'en évite un, mais je me prends l'autre. Hein, c'est... En même temps, c'est le cirque Maxime, là, ce combat. Il est où le cristal? Il est pas réapparu encore. Good boy des enfers. Ouais. Tout ça, tu peux demander à Zella comment elle t'avait connu. Bah moi je pensais qu'elle m'avait connu par toi en fait, hein, tout comment. Il faut pas chercher. Ouais, on va envoyer Doussa pour s'occuper de ses cochonneries. J'ai pas envie d'utiliser l'appel maintenant parce que c'est un coup à le gâcher malheureusement. Heureusement qu'on a ce lien, ouais d'où ça? On est d'accord. Il réapparaît pas le cristal hein? Ah si, il est là.
J'ai pas compris ce qu'il m'avait fourgué des sandwichs par contre là. Non, d'où ça? T'en vas pas déjà maintenant? Aïe. Et je peux pas utiliser la pelle maintenant, bordel. Ça. Non, 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 mes yeux me trompent pas, je sais tout à fait où tu es, c'est-à-dire pas là. Et c'est pas toi que je cherche, je veux me débarrasser de l'autre. Voilà. Parce que lui, il me saoule. Voilà. Ah, des connes de chantier. Bilan du brunch, j'en ai un peu trop fait. Oui, elle t'a connu par moi. Bah voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas posé la question. Alors, j'ai déjà du mal contre ces boss-là dans Asphodel, mais alors ici, c'est... Ouh. Mais j'ai quand même l'impression, par contre, que les sur la Gorgone, elle est un tout petit peu plus facile à éviter. Au niveau de ces rochers. Après, je me trompe peut-être. Peut-être pas les mettre dans le coin. Ouais, malheureusement, ça va mal se finir encore une fois. J'en ai bien peur. Après, c'est vrai que c'est pas le combat le plus facile non plus. Hein. Faut être honnête. Oh, tant pis. Ah, ça va. C'est lui que j'ai réussi à toucher. Je vais me prendre l'onde de choc. Ah! C'était pas ce que je voulais faire. Pas prévu de me faire buter, on est d'accord, hein. Ah. Allez. Au moins, je suis arrivée sur la deuxième phase. Mais effectivement, je sens venir une phase 3. Enfin, pas aujourd'hui, évidemment, mais... Je sais pas pourquoi. Je suis assez d'accord. C'est un combat de boss, quoi. Oui, bah oui, c'est le combat final, en plus, donc... Et avec une difficulté rajoutée, donc... L'espèce de gros cristal avec les petits crânes qui volaient autour, qui m'a pris un certain temps, ça, c'est pas dans ce combat de boss d'ordinaire. Ça, c'est à cause de la difficulté, en plus. Et... Du coup, bah, forcément, c'est des choses en plus à gérer. Et ouais, c'est... Oh, qu'est-ce qu'ils se racontent, ces deux-là? Oui, alors ici, c'est un petit peu le foutoir, parce que j'ai rajouté des chandeliers, des pétales de fleurs... C'est... Le prince Agrius a un goût un peu bizarre pour la déco. Ah oui, alors Hypnos qui est censé donc faire avancer la file d'attente des morts et il passe son temps à s'endormir au boulot, parce que c'est Hypnos. Voilà, faire accélérer la cadence pour désengorger le couloir, ou je sais pas, une limite de temps. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai ma liste des arrivées et il a fallu que je reste très concentré dessus avec toutes ces ombres qui débarquent. Moi. Non, dis pas Hypnos de se reposer, surtout pas. Déjà, je lui ai mis un petit canapé, là, pour que... pour qu'il puisse dormir. Parce que je suis un gros troll. Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce qu'il y a Thanatos? Non. Là, fait un moment que je l'ai pas vu, Thanatos. Hein. Orphée, qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, des problèmes que je dois résoudre par moi-même. Papa en difficulté augmentée. Ah, Orphée qui me propose son soutien émotionnel. Je suis très émue, en effet. Je suis très émue. Orphée, c'est mon grand copain. Alors, ah, on va voir si Nyx et Hypnos s'entendent bien. Sachant que Hypnos, a priori, si je me souviens bien, c'est le fils de Nyx. Hein. Enfin, c'est un des fils de Nyx. Il se familiarise avec la notion d'indépendance. Ah, mais c'est pour ça, en fait, Hypnos, c'est encore un adolescent. Ouais, donc faut lui apprendre à devenir indépendant, voilà. C'est intéressant. Oui, c'est vrai que j'ai jamais vu Nyx et Hypnos parler ensemble. Oh, juger la vitesse à laquelle il progresse. Son éducation sera terminée bien avant le commencement de la prochaine ère. Si c'est la prochaine ère glaciaire, on n'a pas aidé, hein.
Qu'est-ce que je peux acheter ici? Ouais. Pour l'instant, rien. J'ai du poisson à livrer au cuistot. Pas beaucoup, mais... Et qu'est-ce que Méger me raconte? Je serai très vite de nouveau en état de combattre. Elle parle de combattre... dans le Tartare ou de combattre ailleurs? Ouais, ça fait longtemps que je l'ai plus vu dans ma chambre, Méger, d'ailleurs. Ouais, j'ai pas débloqué de prophétie. Je suis où par rapport au bienfait duo? Ou légendaire, pas beaucoup. Hein. Ouais, ça, c'est les trucs qui progressent pas vite, malheureusement. Ah, plus que un bienfait pour eux. En fait, je pense que c'est les légendaires qui me manquent, hein, a priori. Grosse éducation, ouais. Ah ouais, non, mais les relations ici, aux enfers, c'est... Il a fallu que je fasse ami-ami avec tout le monde. Que je réconcilie Nyx et son père. Que je fasse en sorte que Thanatos, il arrête de crier sur son petit frère Hypnos. Que Mégère, elle s'entende de nouveau, enfin, qu'elle reparle à ses sœurs. Enfin, bon, c'est... Mais là, normalement, en vrai, au niveau des enfers, je suis pote avec tout le monde, maintenant. Ah, pas avec lui! Ouh, mais je suis pas pote avec lui, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas assez parlé à Hypnos. Oh, Lapi, coucou, comment ça va chez toi? Tu veux suggérer un pôle? Bah, lequel? Lequel? Parce que là, du coup, je ne sais pas. Je te laisse choisir. Ah, K.O., j'ai pas fini non plus. Faudra que j'y pense. K.O., je l'ai pas vu depuis 3 ou 4 runs d'ailleurs, j'y suis pas allée. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux suggérer comme Paul? Si jamais, ou si tu veux le garder pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je ferai la prochaine fois d'ailleurs? Peut-être bouclier. Ben, t'as dépensé 1000 points de chaîne pour suggérer un sondage. Ah, ou alors c'est... Ah, c'était par accident. Sinon, ce qu'on peut faire, si tu t'as pas d'idée, je te rends tes points de chaîne. Ouais, c'est ce que t'as fait, ouais. Non, elle a pas fait de bêtises, elle a juste choisi suggérer un sondage. Ouais, Dan, je veux bien, si tu peux lui rendre ses 1000 points, parce que là, moi, j'ai pas d'idée de sondage non plus, donc... Chuba a-t-il trop mangé? Oui, non. Comme d'habitude. Par contre, du coup, la piste, c'est un peu dommage parce que t'arrives sur la fin. Là, je finis ma troisième run et je crève la dalle. Donc, je pense que je vais tout doucement préparer le petit raid de fin de stream. Je vais prendre ça pour la prochaine fois, peut-être. En vrai, j'aime bien le tenter au gun, là. Je suis bien partie sur le gun pour plusieurs runs, donc pourquoi pas. Maintenant que j'ai bien bourré l'aspect de Lucifer... Ouais, ben pour moi, je vais tout doucement m'arrêter là. Et je vais regarder quand même qu'est-ce qui est là. Pas grave, t'inquiète, j'ai pas eu le temps de passer avant, lessive, ménage, tout ça. Ouais, ben là, cette semaine, c'est ma coloc qui fait le ménage, c'est pas mon tour, donc ça va, je suis tranquille, mais... Sinon, j'ai fait trop à manger. 4e édition, on devrait dîner brunch, manger deux fois midi brunch, oh là là. Et je connais, moi j'ai déjà fait des trucs style... Le wok de paella et puis t'as de la paella à bouffer pour la semaine, quoi. Sinon, c'est histoire de ma vie dans les restos. J'emmène toujours un tupperware parce qu'ils me servent une plâtrée. Mais je mange 3 bouchées, je peux emmener le reste, s'il vous plaît. Puis après, j'ai à manger pour 3 repas, quoi. Ah, ok. Merci, Dan. C'est super sympa. Comme ça... Sinon, j'aurais dû le faire après le stream, sans doute. Je vais regarder qui est-ce qui est en ligne. Ah bah ouais, du coup, j'ai pas des masses de gens en ligne, hein. Sur PC, il a plus de 400 personnes, donc ça va être Lance-Pierre si jamais il vous répond, donc c'est pas trop la peine. Opus, ils font du Call of Duty, mais je préférais trouver du Hades. Je vais voir. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui fait du Hades, du coup, en francophone. Ouais, moi je vais aller voir sur Discord aussi, parce que ce que Chuba... Donc, Azril...
Si tu vas sur mon Discord, Chuba, il a posté des photos du brunch qu'il a fait pour lui et sa copine aujourd'hui. Je suis pas encore allée voir, mais apparemment, c'est très très bon. Gaufre. L'appli Twitch n'est pas en ligne. Ah, merci Chuba. Donc, il y a des... On espère de jolies photos sur Discord. Je devais faire une tarte aux pommes, mais j'ai zappé d'acheter les pommes. Ah, effectivement, la tarte aux pommes sans les pommes, ça risque pas de le faire. Ah ouais, mais ouais, y a moi qui suis en tête, y a qui? Maido TV, je me finis sur du Hades. Sun Zero, 3... Y a quelqu'un, je connais pas du tout, Sun Zero, on pourrait éventuellement aller voir parce qu'il a pas beaucoup de monde. Et ça a l'air d'être un francophone qui peut éventuellement aussi faire en anglais. Ouais, il a le jeu en français, donc a priori... Écoutez, on va lui faire un petit raid. Je connais pas du tout, donc j'espère que ça va pas être une mauvaise surprise. Hein. Mais il est pas en train de picoler, il est pas en train de fumer, donc... Il a pas l'air d'être en train de rager. Donc, ça peut être une bonne idée. Ah, bah je doute pas que c'était très très bon. Et il a déjà fini au moins une run complète parce qu'il a les mesures d'urgence activées. Et je vois qu'il a mis le compteur. Écoutez, on va essayer de lui faire un petit raid. Et puis, on va découvrir ensemble. Ouais, bah merci. Passe un bon dimanche toi aussi. Passez tous un bon dimanche. Alors, c'était quoi de nouveau ? Sun Zero. Je le connais pas du tout. Donc on va voir. Ouh, on est combien ? On est 7 ? On est 8 ? Ouh ! On est 9 spectateurs ! Ah bah dis donc ! Voilà. Bah écoutez, donc bon dimanche à tous. Merci pour le live. Bah merci à vous d'être venus, hein, comme d'habitude. Azril, encore une fois, bah merci à toi d'être venu. Merci d'avoir follow et encore bienvenue sur cette chaîne. Donc au niveau des jeux, pour que tu saches, je fais pas mal de Hades. Souvent, deux fois dans la semaine, j'ai trois streams. J'ai le mardi et le vendredi à 19h et le dimanche à 10h30. Souvent, le mardi et le dimanche, je fais du Hades. Le vendredi, j'ai peut-être tendance à faire un petit peu autre chose. Vendredi prochain, on va finir Super Seducer 2, normalement. Donc bah voilà, je vais envoyer le raid. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, donc mardi 19h, pour ceux qui peuvent venir. Et je vous souhaite en tout cas un excellent dimanche. Allez, bonne journée, hein, bye bye. This world has been connected.